Bonsoir. Bonsoir. La prison. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des motivés? Ça se trouve, non. My emotions,
messieurs, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Avec cette voix cassée. Cassée. Est-ce que vous êtes prêts? J'entends pas. Are you prêt? Je vais dire are you cassé, pas du tout. On est prêt ou pas? Est-ce que pam pam palam pam. Bonsoir. Bonsoir. Oh wow. Mesdames et messieurs, bonsoir. Trop loin la truc, faut vraiment que je règle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Il est 20h45, mesdames et messieurs, je me suis dit que j'allais vous montrer le Teddy, les nouveaux produits qui sortent demain, mesdames et messieurs, à midi. Mais avant, je vais vous dire bonjour parce que c'est normal. Bonjour le chat, bonjour Paradise, bonjour Cotelard, bonjour Mélix qui dit allez, bonjour Matisse, bonjour Alcames, merci à toi, merci à Saga59 qui vient de recevoir, ça fait un an, merci à toi. Merci à Céline Dill, 15e mois parmi nous, merci à toi. Merci à Linox aussi, c'est son 15e mois, merci à Magda, bonsoir Magda et merci. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Bon, comment ça va? Ça va, tout le monde va bien? Impeccable, tout le monde se dit ouais, ça va, ça va, ça va, etc. Attendez, je cherche un truc, voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà. C'est bon, tout le monde est en forme? Alors impeccable, mesdames et messieurs. Ce soir, on va aller voir Miguel, mais avant d'aller voir Miguel, eh ben, je me suis dit qu'on allait faire un point sur ce qui sort demain sur la boutique, la collection Skull. Voilà le nom de la collection, elle s'appelle Skull, mesdames et messieurs, sortira demain. Trois produits, le jogging, le polo et ceci. Le Teddy, mesdames et messieurs, qui sortira demain en édition limitée et numérotée. On va en parler, on va le revoir, etc. Alors je le porte sur moi. Est-ce que vous voulez voir le dos ou pas? Vous voulez voir le dos du Teddy? Je vous montre le dos, je sais pas si on verra bien, mais... Attendez, vous savez quoi? Viens la chaise. Voilà. Voilà, comme ça vous avez le dos avec, mesdames et messieurs. Elle sort demain la collection. Alors, on va déjà commencer par la base. Le polo qui est juste là, c'est un polo, mesdames et messieurs. Il est. On va commencer par le jogging. Je vous montre le jogging. C'est une dinguerie. Le jogging, mesdames et messieurs, c'est une dinguerie. Dans un sens, ça c'est le cul. Et de l'autre côté. Il est tellement agréable. Alors, il faut savoir que quand on a vu le prestataire... Je refais un petit point sur la boutique, mais quand on a vu le prestataire a dit oui, il nous conseille toujours des trucs, d'accord ? Et on a le même prestataire que beaucoup, beaucoup de musiciens, que le Hellfest, voilà, c'est niveau... Ce sont encore... Niveau qualité, voilà. Et le prestataire, quand on a pris ce jogging, moi, j'ai voulu les essayer, le relou de base. Donc, j'ai essayé plein de jogging. Vous avez vraiment envie d'un jogging chill. Tu vois ce que je veux dire? Et le Presta, quand j'ai dit je prends celui-là, il m'a dit ah ouais, mais là c'est un problème. Alors c'est top qualité, hein, c'est super qualité. L'intérieur est très doux, mais la marge elle va pas être ouf, c'est très cher ce genre de produit. Je m'en fous. Je m'en fous, voilà. Coton bio, vegan friendly, voilà, tout va bien, le truc est nickel. On est sur, tu vois, des trucs vraiment cool. Il est brodé au niveau de la jambe. Voilà, donc c'est une brodure, hein. C'est pas un patch. On a fait encore évoluer la partie mano. Donc en fait, c'est une brodure. Voilà. Le prix de ce jogging, mesdames et messieurs, qui arrive demain, 54,90€. Voilà. Et la matière est trop bien. Alors j'ai du mal à le prendre parce que ma femme l'avait piqué ce soir. Elle était en mode bah donne. Je dis ah bah non, ouais, tu enlèves ton froc là, tu me le donnes, faut que je le montre aux viewers. Elle le quitte plus. Voilà. Donc voilà le premier. Ça c'est fait. Donc ça sera à partir de demain, ça sera dans la collection permanente. Donc ça c'est à chaque collection sa nouvelle brodure. Oui, j'aimerais beaucoup travailler que en brodure parce que j'aime beaucoup la brodure. Voilà, on fait évoluer. La deuxième chose, mesdames et messieurs, c'est ça, le polo, qui est vraiment bien parce que j'adore les polos. Voilà, c'était bien les t-shirts, mais j'adore les polos, j'aime bien le côté polo. Broderie à cœur, il est juste là, c'est pareil, c'est de la broderie, mesdames et messieurs. Il est en version bleu marine, et encore une fois, ce sont des produits, c'est un produit responsable. Label BCSI, CEDEX, VRAP et tout ça, enfin bref, les labels d'éthique, on contrôle d'où vient... les produits, en fait, pour moi, c'est hyper important. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très partisan du local, etc., etc., etc.
le coloris du jogging uniquement gris comme vous l'avez vu. Voilà, donc je fais attention, c'est des produits qu'on paye plus cher, parce que c'est comme d'habitude, on achète des produits qu'on fait ensuite broder, préparer à l'effigie, puis après qu'on revend, donc ça coûte plus cher, mais c'est pas grave en fait. C'est pas, voilà, ceux qui peuvent se le permettre, tant mieux, ceux qui ne peuvent pas, ne peuvent pas, mais je vous ai toujours dit que je ne voulais pas sortir des produits en mode merch, je sais jamais si on dit merc ou merch, Hugo va encore gueuler, je ne veux pas sortir un truc où la personne dit au bout de deux lavages, c'est la merde. Alors c'est arrivé sur certains modèles qu'on avait, sur une ou deux pièces, le SAV vous l'a changé tout de suite. Voilà, c'est hyper important. Voilà. Le polo, 34,90€. Voilà, comme ça vous savez. Alors les prix, je vais pas les changer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Tu portes le Teddy à quelle taille? On va parler du Teddy. Voilà. Alors le jogging, moi je porte, vous savez que je fais 1m90. Le jogging, la taille, et il est parfait. C'est du... Attends, elle est où la taille? Je reprends la taille, comme ça je vous donne les tailles, pour ceux qui veulent les tailles à chaque fois. Tout sera ça en vente demain à partir de midi. Ouais, la taille double XL. Parce que je voulais vraiment être chill dedans, j'ai pris le double XL. Je vais en mettre 90, je suis un beau bébé. Le polo, c'est un double XL parce que je voulais être bien dedans aussi. Voilà. Le Teddy. Mesdames et messieurs, donc à partir de demain midi, il sera disponible jusqu'au mercredi 13 midi. Le Teddy taille petit, prenez une taille au-dessus. Et là, c'est l'artillerie lourde. 6000 cuir. Double intérieur. Pochette zippable. Doublure, poche zippée, doublure chaude. L'autre jour, il faisait 12 degrés, je peux t'assurer que ma femme, elle avait chaud, elle avait froid, je lui ai donné ça, elle était en mode « Ah oui, c'est bien !» Donc il y a une doublure, une vraie doublure, hein. C'est pas juste le truc, tu vois. Poche zippée à l'intérieur, broderie devant, donc là on est sur de la broderie ici, et derrière c'est une sérigraphie. Il sort donc demain à partir de midi jusqu'à mercredi midi. T'as pas dit zip, poche zippée, tu mis bien ta femme, merci. Le prix, 114,90€. C'est pas faire, voilà. Alors en fait, j'avais une solution, on avait une solution avec Hugo pour vous faire beaucoup moins cher. Mais c'était de la merde. Pardon, mais c'était de la merde. Je me refuse à vendre de la merde. Voilà, je me refuse à vendre de la merde. Ça va. Alors il faut savoir que le même type de produit, je l'ai vu à plus de 150€. Voilà. Pour quelqu'un de 1m70, 94 kg, XL paraît bien. Je sais pas, il va y avoir un guide détail à partir de demain. Honnêtement, ça va pour la qualité. Oui, bah ça fait toujours mal, 114€, voilà. Donc c'est vraiment, voilà. Et donc, pour information, ce modèle est limité et numéroté. Donc, quand vous le prenez, premier à payer, premier à avoir le numéro 1. Je ne prends même pas le numéro 1. Moi, je garde celui-là, qui n'est pas numéroté. Mais voilà. Donc, ils seront numérotés. Donc pendant 6 jours, ça fait 6 jours, 5 jours, 6 jours, de jeudi là, ce jeudi 7 à midi au mercredi 13 à midi, vous pouvez le commander. Après, ils ne seront plus jamais commandables. Plus jamais. Quand je vous dis plus jamais, plus jamais. Le numéro, il est où? Sur l'étiquette. Le numéro sera sur l'étiquette. J'ai un doute maintenant, vous me dites. Le numéro, il est sur le Teddy. Bah non, on va pas rajouter un brodure en plus, il faudrait payer en plus. Le numéro, il sera sur l'étiquette. Sur l'étiquette, vous aurez la version, le numéro de votre... Voilà. Tu peux le remontrer, s'il te plaît. Tu veux que je remonte quoi? Tout le Teddy, c'est ça? Voilà. Hugo, il gueulait, il a dit « Il n'y a pas de marge là-dedans !» Je dis « Quoi ça sert les marges ?» Donc brodé ici, et dans le dos. Attends. Pars la chaise, pars. Alors je vous montre comment il fait. Ça, c'est ma bite. Attends, je vais me mettre à genoux. Ah ouais, à genoux pour les viewers. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est bien fait ça. Attention, modèle mannequin qui tourne. Je fais bien le mannequin ou pas? Quel pro? Ouais, je sais. T'as quel numéro? Le mien n'a pas de numéro. Donc, à partir de demain, bah, le premier qu'il commande, il a le numéro 1. Le deuxième, il a le numéro 2. Le troisième, il a le numéro 3, etc., 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 etc. Voilà. Pour tous ceux qui veulent les infos, vous avez directement le shop. La modération, vous le mettez tout de suite. Demain, à partir de midi, le jogging, le polo et le Teddy, mesdames et messieurs. Voilà, je sais pas si ça vous hype, on voulait vous montrer un petit peu en avance. Tu peux être vendeur téléachat. Ah, oh, j'aimerais beaucoup.
Ça me plairait beaucoup. Voilà. Il y en a combien ? Il n'y a pas de limite. Vous avez, on va de S à 5XL. D'accord ? Donc on va jusqu'à 5XL. Pas de limite de stock, c'est un limite de temps. Donc je vous explique. Toutes les commandes que vous allez faire entre demain midi et mercredi midi vont être comptabilisées. Qui en premier, ceci, cela, etc. Voilà, ok. Et à partir de là, tout vous sera envoyé début août. Le temps que le prestat il y aille. Voilà, donc peut-être qu'on en vendra 10, peut-être qu'on en vendra 100, peut-être qu'on en vendra 10 000. Non, je crois pas. 10 000, c'est mort. Voilà. Est-ce qu'on connaît à l'avance les numéros au moment de le commander ? Eh ben non, c'est ça qui est rigolo. Voilà, envoie début août. C'est ça qui est rigolo. Tu ne connaîtras pas. Vous ne connaîtrez pas votre numéro avant l'envoi. Tu commandes le Teddy, et sur l'étiquette, il y aura le numéro de ton Teddy. Voilà. Jogging, polo et le Teddy. Et le Teddy est vraiment bien. Moi, je le mets maintenant sur le scoot. Je mets mon blouson de moto, ok ? Et par-dessus, je mets le Teddy. Comme ça, je ne mets pas la doublure. Je ne mets pas la doublure du manteau du blouson de manteau. Si j'ai froid la nuit, par exemple, là, quand je vais rentrer, tout à l'heure, je vais le mettre. Je vais mettre le blouson de moto et par-dessus, le Teddy. Voilà. 100% la boutique est down à midi. Mais non, mais non, mais non. Désolé de te poser cette question, mais c'est livrable en dehors de la France, bien sûr. Bien sûr. 5XL, merci de penser aux gens forts. Vous m'avez fait les demandes, je l'ai fait. Vous m'avez dit qu'il fallait décaler à début juillet pour ceux qui avaient les payes le 5, etc. Que c'était important et qui ne voulaient pas le louper. Nous l'avons fait. Voilà. On essaye d'écouter la commu un maximum. Voilà, c'est toujours compliqué. On essaye de jouer entre tout. Les prix, c'est très compliqué aussi parce que on fait une marge, puisqu'on paye quand même le photographe, on paye les gens qui font les photos, Draco, etc., Mono, enfin voilà. Donc voilà, il y a combien de temps de livraison ? On l'a dit là pour les premiers, parce que les Teddy seront un peu spécifiques, vous aurez la livraison début août. Oh, ça va. Super taf, écoutez, si vous êtes content, c'est cool. Serons-nous sur combien, genre numéro 57 sur 146 ? Non, vous aurez juste votre numéro de Teddy. Voilà, tu as le numéro 57. Donc, il y aura écrit sur ton étiquette, en fait, numéro 57, numéro 64, numéro 130. Voilà. Vous voulez qu'on fasse rajouter le sur-machin ? On peut l'envisager. Il faut que j'appelle le Presta, qui n'a pas du tout prévu ça, qui va sûrement me dire, c'est non. Mais je peux demander. Si vous le voulez vraiment, je peux demander. C'est pas sûr qu'on l'ait, mais je peux demander. Mais on vous écoute, en fait. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Non, non, oui, oui, non. Et sur commande. On peut pas faire ça à un moment donné où tu vois avec un prestataire, c'est compliqué. Oui, c'est fou comme un simple chiffre hype les gens. Ah oui, les chiffres, les gens adorent ça. Hein. Frais de livraison inclus. Non, pas du tout. La frais de livraison est en plus, tout dépend ce que tu prends dans ton panier. La boutique a toujours fonctionné comme ça. Monter à 7XL serait vraiment cool. Alors là déjà, monter à 5XL, frérot, ça a été compliqué. Alors, je sais, les gens forts, la mode ne pense pas à vous, les fringues non plus, et nous on se bat avec Hugo pour que dans la boutique on monte au maximum maintenant. Par contre il est incroyable, j'adore le porter, il est vraiment trop bien, je vais passer mon hiver, mon automne avec. Et la doublure est géniale, enfin je vous le dis, enfin, c'est pas pour vous le vendre. En fait je vais être franc avec vous, mais vraiment, qu'on vende 0 jogging, 100 jogging, 0 polo, 100 polo, 0 Teddy, 100 Teddy, ne changera pas la donne pour moi. La boutique, le shop, je vous l'ai toujours dit, c'est du goodies plus plus. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire des stylos, de vous faire un porte-clés, avec Hugo, on a eu cette idée de vous faire en fait des fringues de qualité où la marque n'a pas écrit en gros « Je suis un gamer ». Le Teddy est un peu plus marqué que la mano dans le dos, mais par exemple sur le polo, il y a juste cette tête de mort. Pour info, je l'ai porté au Hellfest, il y a tellement de monde qui m'ont dit « Ah, c'est chouette, ça se trouve où ?» Voilà, c'est quoi la marque ? Elle est chouette. Voilà. Donc cette collection s'appelle Skulls. On la refera peut-être après avec des t-shirts en septembre. On verra, je sais pas encore. Mais voilà. Donc on voulait travailler là-dessus. Vous aurez tous les visuels demain, le machin, le bidule. Enfin, bref, la boutique vous indiquera tout. Ton Teddy est aussi en 2XL. Oui, c'est un 2XL, mon Teddy. Voilà. Normalement, moi, d'habitude, je porte du XL. J'oscille selon le poids entre XL et XXL. Ça dépend en fait des types de fringues, etc. Voilà, 2XL, là, pas déconnant, il est bien, quoi. Voilà. Le Z-Event était début septembre, et sera début septembre. Le bus, il sera avant ou après. Après, on devait le faire, en fait. On avait programmé le bus, et à la date, quand j'ai été invité, j'ai fait « Ah, on a un problème ! Le bus doit être en même temps !» Voilà, donc on décale le bus en urgence. Mais ça va le faire. Je suis pas inquiet, voilà. Je devrais faire des porte-clés et des stylos pour les fans pauvres comme moi. Mais mec, ça coûte cher. En fait, ce qui coûte très cher, c'est que, je vais donner un exemple, un Teddy comme ça, si on le sortait pour une grande enseigne à 10 000 exemplaires, les prix baissent de ouf, en fait. Le problème, en fait, c'est la quantité.
plus on fait de quantité. Nous, des fois, quand on vend un produit à un prix, on parie dessus. En fait, et les marges, des fois, on les... Hugo, je lui fais bouffer les marges. Il y a des produits, en vrai, je crois que les marges, nos marges, elles sont en dessous des 10 euros. Voilà. Donc, il y a aussi, après, les gens à payer, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur la marque, graphistes, photographes, modèles, enfin, tu vois, le site internet, enfin, bref, il y a plein de trucs. Maintenant, voilà. La partie merch est très cool. Et je suis très fier de la porter. Vous avez l'air de la kiffer, donc voilà. Voilà. Tu nous as dit donc, plus on va en acheter, moins cela te coûtera. Non, parce que là, ça changera rien, les gars. Hein. Achetez-le si vous en avez les moyens et si vous en avez envie, vous forcez pas, quoi. Vraiment, je vous. Enfin, je. Tu peux montrer le dos. Ah, je l'ai déjà montré 20 fois, mais je vais le remontrer. Attends, on est passé où? Voilà. Musa bosse toujours avec toi sur le merch, bien sûr. Je suis arrivé trop tard, c'est pas grave, je te le montre. Voilà. Un boxer mano. Non, mais on nous propose des produits à chaque fois. Moi, je veux les tester. Un jour, je vous montrerai tous les produits que j'ai de côté. Vous allez halluciner. Hein. Des casquettes, par exemple, j'en ai. Combien, Hugo, tu m'en as envoyé? 15, 20? J'en ai partout. Non, je suis au Marseille, j'en ai peut-être 7, 8. Voilà. Donc, voilà. Le dos est brodé. Non, le dos est sérigraphié. Je vous explique d'ailleurs pourquoi, la petite histoire. C'est que, en fait, moi, je voulais tout broder. Mais c'était pas possible. Je vous explique notamment pourquoi la brodure est là, de ce côté-là, et pas à cœur. C'est parce que de l'autre côté, on a une poche zippée. D'accord ? Donc ici, on a une poche zippée. Tu peux l'ouvrir. T'entends le zip ? Voilà. Ce qui fait que tu peux... Moi, je fous mon portefeuille, mon machin dedans quand il y a besoin. Ok ? Elle est dedans, ce qui fait que c'est pratique. Et de l'autre côté, il y a une doublure. Si on avait brodé derrière, déjà, il y a un surcoût énorme. Parce que les brodures, ça coûte très cher. D'accord ? Mais en plus de ça, en fait, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait cousu la doublure. Et alors, ça aurait été moins agréable parce que ça aurait tiré dans le dos. À un moment donné, quand t'es accompagné de professionnels, le mec, il est capable de t'expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Hugo qui dit, on est toujours pas satisfait de la casquette, elle est pas prête de sortir. Ah ben, on est d'accord. La casquette, tant qu'on n'a pas trouvé celle qu'on veut, bah ça le fait pas, ça le fait pas. Des fois, c'est une question de logo, de placement, de... Enfin bref, voilà. Voilà, je ne sais pas si cela répond à vos questions. C'est une veste d'été ou d'hiver? Eh ben, c'est une veste de mi-saison, je dirais. Moi, je la porte en vrai le soir, là, quand il fait 12-15 degrés, elle est très bien. Maintenant, c'est pas un manteau d'hiver, ça reste un teddy, mais un teddy qui a une doublure. Voilà. Le jogging, 54,90€. Le polo, 34,90€. Et le teddy, 114,90€, arrive demain sur le shop, mesdames et messieurs. Les tailles de ceux que je porte, double XL, double XL, et le jogging, double XL. Voilà. Bonsoir Alex, tu sais les modes de paiement? Ah bah il y a tous les modes de paiement, quasiment tous, faut regarder sur la shop, tu regardes sous le lecteur, tu vas voir le shop, tu vas voir, tout est indiqué, voilà. C'est trop bien Red Dead, est-ce que tu penses en refaire? Ah oui, si tu vas voir, va voir Instagram, alors je te mets le lien d'Insta, où il est Insta, voilà. Tu vas voir Instagram dessus toutes les semaines, je mets en fait la programmation en highlight, c'est le highlight qu'on appelle ça. Voilà, donc je mets la programmation en highlight, ce qui fait que tu peux voir que notamment cette semaine, les soirs on fait 21 Jump Click avec Miguel, et la journée on fait Red Dead. Et puis j'essaye de, tu vois, de jouer entre les deux. Voilà. Voilà. Il y aura une casquette mano, je ne sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas, on n'a pas trouvé le modèle. Il y a des fois des trucs que j'ai envie de faire, on trouve pas le bon modèle, et plutôt que de vous dire ça sort, mais que ça soit de la merde, bah on le sort pas. Voilà. Le téléachat ne m'a jamais autant donné envie. Ah tu vois, c'est bien le téléachat, hein, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-on voir le dos? Non, je montre pas le dos. Le mec va passer sa vie à montrer le dos. Voilà. Et c'est du simili-cuir, hein. C'est pas du cuir. C'est du simili-cuir. Voilà, juste qu'on soit d'accord. Et c'est agréable, hein. C'est chouette. Red Dead, c'est un serveur que tu as fait avec le groupe 21 Jump Click ou rien à voir? Rien à voir du tout. Red Dead, je devais y aller il y a plus d'un mois, en fait, au lancement du serveur d'LG Western. Et en fait, j'ai pas eu l'occasion d'y aller parce qu'il y avait les prod Hellfest, il y avait tout ça. Et de ce fait-là, eh ben, je n'y suis pas. Je n'ai pas pu y aller. Voilà. Et donc là, on a tapé une barre avec le gros, que j'embrasse très fort, et son équipe, qui m'a dit, viens, on joue deux frères. Voilà. Et moi, j'avais besoin de souffler un peu. J'adore Miguel. Mais de temps en temps, t'as besoin de faire autre chose. Quand tu fais que la même chose tout le temps, en fait, ton cerveau, il s'oxygène plus. Tu n'es plus la truite la mieux oxygénée de la rivière. Voilà. Et donc là, ça m'aère un petit peu. C'est chouette. C'est une autre façon totale de faire du RP.
Et moi, tant que je peux faire du RP quelque part, j'adore ça. Donc voilà. Voilà l'idée. On joue deux frères et on s'amuse beaucoup. Voilà. Donc on alterne un peu les RP sur cet été. Cet été, les aventuriers Raft est prévu ou pas? Je sais pas encore. Alors là, cet été, je me laisse porter par le vent. C'est-à-dire que de l'autre côté, j'aimerais préparer des super trucs pour le Z-Event. Où je suis très très fier. Je le redis, je m'en fous, j'ai rien à secouer. Je suis très fier d'être invité, je suis très fier d'y aller. On a le studio à terminer. Je voudrais vous reveal le studio. Sans trop teaser, juste vous reveal le studio. J'ai des vacances, dernière semaine de juillet, première semaine d'août. La première fois en 10 ans que je prends 15 jours. C'est jamais arrivé, je n'ai jamais pris 15 jours en 10 ans. Depuis que j'ai monté ma propre boîte, je n'avais jamais pris 15 jours de vacances, ça n'est pas arrivé. Donc je vais prendre 15 jours de vacances. Le bus a terminé. J'ai des idées plein la tête où j'ai encore refait un point avec Hugo, il a fait calme-toi. Voilà. Donc on va avancer petit à petit, je me laisse porter clairement. Waze, ah, faut qu'on arrive à le finir avant le Z-Event. Waze, c'est tout à fait réalisable. Il y a des trucs, c'est pas faisable parce que c'est programmé. Mais les trucs, c'est 100% réalisable. Je ne sais, Waze est fini. Non, on l'a pas fait. Waze, on l'a pas fait. Tu veux que je te mente? On l'a fait. Mais on... Ah là, j'ai perdu les fichiers. Non, on va le faire. On va trouver un moment pour le faire avant le Z-Event, pour pas avoir de soucis. Voilà. La série. Ah, la série, c'est compliqué. On a fait les dossiers, on a fait plein de trucs. Maintenant, ça ne matche pas pour l'instant. C'est très dur parce que ça demande aussi un investissement. Il faut savoir que au-delà des dossiers, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est des... Bah, un premier épisode... Écoutez, je suis en plein dans les budgets et comment vous dire que c'est compliqué, hein. Parce que là, on parle en centaines de milliers d'euros. Voilà, donc il y a la BD qui sort en août aussi, la deuxième BD. Le pilote, d'accord, parce que les écritures se sont bien passées, les rendez-vous, ça va. Mais de toute façon, maintenant, il faut trouver 1 million d'euros. Et il faut un cautionnaire, en fait. Ils veulent un pilote. Bah oui, tu fais un pilote, en fait. Donc là, il faudrait envisager en fait un investissement de pas loin. En fait, il faudrait un cautionnaire à 1 million d'euros. Bien sûr que je trouve ça à tous les coins de rue. Et en plus de ça, un pilote. Alors, il faut savoir que 6 épisodes de Netflix, là, ou de Prime, ça veut presque ça vaut 1 million d'euros. Voilà. C'est à peu près le coût. Un épisode de série, actuellement, ça vaut entre 100 à 150 000 euros. Subvention régionale. Ouais. Voilà, donc ça fait partie du truc, hein. Financement participatif, on verra, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, c'est l'un des trucs. Je l'ai fait, hein, les dossiers sont faits, etc. On nous dit pourquoi pas, montrez-nous un pilote. Et montrez-nous un pilote. Voilà. Donc on verra. Il n'y a plus qu'à vendre la Zantorno. Ah putain, faut que je vende la Zantorno. Bref, attends, on va revoir le jeu parce qu'en fait j'ai encore 49 minutes de prison à faire. Donc j'ai envie de te dire que on peut basculer en jeu comme ça. Non, ça marche pas. Putain, il y a des fois je me fatigue. Tac et tac. Voilà, comme ça vous me voyez là, on peut continuer de discuter pendant que Miguel est en prison. Hop, 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 hop. Nickel. Voilà. Il faut qu'on voit de ça. Ça fait cher la blague. Ouais, parce qu'en plus, voilà. Les émissions pompiers, je vais être franc avec vous. La fédération cette année avait les élections. Ils ont mis tout leur budget là-dessus. Donc à un moment donné, vous savez qu'on fait pas de prod sans budget. Et quand on trouve pas les partenaires pour payer, Je n'aurais pas la décence de vous expliquer combien coûte l'épisode qu'on a fait avec Ponce et Rivenzi, mais ça coûte très cher. Hein. Rien qu'en gaz pour le feu, rien qu'en... Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Maintenant, on ne peut pas être partout et on n'arrive pas à tout faire, on ne sait pas tout faire. On espère pouvoir reprendre des épisodes avec les pompiers. Maintenant, il faut que ça colle aussi avec ce qu'eux veulent faire et avec les partenaires. Et là aujourd'hui je pense, moi mon avis, c'est que le monde de Twitch
est un monde qui aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde dessus, c'est saturé, il y a des enjeux, il y a des égos, il y a plein de trucs. Et à ce titre, aujourd'hui, les sponsors, etc., ils commencent à se rendre compte que on est sûrement l'un des mondes les plus chers de, aujourd'hui par rapport à de la musique, par rapport à de l'édition, par rapport à... Et on est surtout, les influenceurs français sont les influenceurs les plus chers aujourd'hui d'Europe, voire du monde. Donc voilà, il y a plein de trucs. Maintenant, est-ce que le reste va revenir? C'est pas un manque d'envie, hein, à un moment donné, je peux pas. Sauf que ça s'apparente à la télévision. On est beaucoup plus cher que la télévision. Je vais être franc avec vous. Hein. Aujourd'hui, la plupart des animateurs Twitch, des présentateurs Twitch, sont tellement plus chers qu'un animateur de télévision. Ils gagnent 10 fois ce que gagne un animateur de télé. On est très gourmand. Maintenant, c'est la réalité, c'est comme ça. Hein, mais ouais. Je pensais pas. Bah si. Par contre, la télévision a d'autres budgets. Ils ont d'autres prods, d'autres machins. Voilà. Donc voilà. Après, maintenant, les budgets de prod, c'est toujours compliqué parce que c'est des budgets qui sont énormes en fait. Dès que tu fais le moindre truc, un plateau de stream qui n'est pas en tout cas à la maison ou déjà prêt, c'est à peu près 10 000 balles. C'est le prix en fait. Hein. Voilà. On va en profiter, il me reste 43 minutes, on peut discuter. À part si je m'évade, mais j'ai pas prévu. Voilà. Et à part si quelqu'un vient me chercher en hélico, mais ça j'en sais rien. Une expérience de 50k sur une CSP ou YouTube. Ouais, ça vaut super cher en fait. Dis-toi que le moindre truc que tu fais coûte déjà 100 balles dans la vie. Sans déconner. Moi j'ai cette impression là en fait. Alex, tu comptes refaire du Phasmo RP? On pourrait, ça pourrait être fun quoi, pour une soirée quoi. Voilà, donc la plupart des choses aujourd'hui dans la vie coûtent 100 balles, moi j'ai l'impression. Peu importe ce que tu fais, on dit, 100 balles. Voilà. Donc ça va hyper vite quoi. Un truc, tu vois, c'est hyper. Tu fais tes courses aujourd'hui avec l'augmentation de tout. Là, ce qui est très drôle, ça t'éteint tout de suite pour 150, 200 balles. Ce qui est très drôle, entre le moment où j'ai voulu commander le matos du studio et le moment où je l'ai commandé, notamment les caméras, elles ont pris 400 balles de plus, hors taxe. Donc imaginons, elles valent 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, elles valaient 900 balles, les caméras, sans objectif. À la base, je les ai payées 1 300 € hors taxe. Il y en a deux. Ça pique le cul. Déjà, tout a pris un tarif énorme. Donc, les prods, c'est pareil, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Quand t'as une prod, t'as aussi tous les techniciens derrière. Les mecs, ils bouffent, en fait. Tu les payes. Donc, bah, si t'as un ingé son, voire deux, des caméramans, un réalisateur, les assistants prod, t'es déjà quasiment à 10 personnes. Ces 10 personnes, ils vont pas faire ça pour juste le plaisir de dire « Ah, c'est génial !» Donc quand tu fais une OP, quand tu fais une production, il faut payer ces gens-là, en fait. Donc même si c'est sous couvert des pompiers, sous couvert de tout ça, tu ne peux pas ne pas les payer, en fait, les mecs qui bossent. Donc après, tu peux trouver des entreprises partenaires qui vont payer une partie, etc., machin, parce que c'est associatif, ou parce que c'est pour du caritatif. Mais tout ça, en fait, ça, voilà, le matériel qu'ils prennent, ça coûte des sous, quoi. Donc oui, ça paraît tout beau, tout lisse, mais ça coûte hyper cher. Mais après, je prends pas mal les questions qui disent « Oui, pourquoi où en est-on avec les pompiers ?» On en est que j'aimerais bien continuer, mais que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué aussi parce que les pompiers, c'est posé en département, et que d'un département à l'autre, c'est compliqué. Dans mon département, ils sont pas forcément d'accord avec un autre département, ou avec ce que je fais moi, ou avec ceci, ou avec cela, tu vois. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Le bus arrive. Alex Click bientôt chez Webedia. J'en viens, je vois pas pourquoi j'y retournerai. Le bus il arrive, le tatouage il arrive. Je regardais, alors il faudrait que je reprenne mon. Reprenons, on va en parler d'ailleurs. Tac. Reprenons l'année dernière, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai fait. Il faudrait qu'on fasse un point. Un énorme câlin à étoile, je l'ai fait. Mort RP de Miguel, je l'ai pas fait parce qu'il y avait la réduction de Miguel. Je prends la voix de Miguel pendant une heure pour remercier les donateurs, je l'ai fait. Je fais la voix de Mickaël sur Waze. Je ne l'ai pas fait. Il faut qu'on le fasse avant le Z-Event pour ne pas avoir de problème. Double cosplay pompier buisson. J'ai fait. Jeu d'horreur surprise solo ou coop. J'ai fait. Et on en a même fait deux. Tuto beauté fit Magla. C'est fait. C'était avec Magla et chaud. Je me fais opérer de la cloison nasale pour que ma femme arrête de gueuler et que je ronfle comme un goré. C'est fait. Coach by Show H1. C'est fait. Je chante une chanson au Hellfest 2022. Allez voir sur mon Instagram, mais c'est fait. Et pour l'instant, à part Wise, on est bon. C'était une dinguerie d'ailleurs. Voilà,
Je voulais juste vous le dire. Voilà, c'est une énorme dinguerie d'avoir eu la capacité de collaborer avec le Hellfest. Moi qui est un grand fan rock metal. Voilà, c'est tout. Et puis d'avoir été invité là-bas, c'était trop cool. Voilà. On fait un dossier pour présenter Amazon Prime et Netflix, Miguel, en format dark pour en faire une série ou un film. Et bien c'est fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de retour que ce n'est pas fait. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien qui... On verra, peut-être que ça va bouger, peut-être que ça va pas bouger. Des fois, c'est des rencontres avec des bonnes personnes. Et tu dis, bah, j'avais fait un dossier, mais il n'était pas passé. Attends, montre-le-moi, je voudrais le lire. Voilà, maintenant, on n'avait pas trop de prétentions l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? L'année dernière, quand on a dit on fait ça, on rigolait, tout le monde était mort de rire. Et on a dit, ouais, ça va être drôle à faire. Alors, je l'ai fait, c'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout à écrire. Je voulais être franc avec vous parce que c'est très compliqué. Mais je l'ai fait, voilà. Maintenant, au moins, c'est très intéressant pour moi-même. Je me fais tatouer au moins la moitié d'un bras pour un futur live tatoué par Rob. Le poteau Rob s'est vu avec lui, c'est programmé pour cet automne. Donc c'est déjà programmé. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est programmé, donc ça va être fait. J'emmène deux influenceurs du Z-Event en immersion chez les pompiers. Et là, c'est la merde. Parce que ça dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. C'était vu que c'était bon et pour l'instant, c'est en stand-by. Donc j'espère avoir des nouvelles maintenant, voilà. T'es pas obligé pour continuer la série. Ah mais moi, ça m'aurait fait kiffer, ouais, ça m'aurait fait kiffer. On envisage la production d'une émission trimestrielle dédiée à la découverte de tous les services de secours avec un ou deux streamers invités en immersion à chaque fois. Tiens, je vais vous parler de celle-là, parce que celle-là, elle n'est pas faite de mon dû. Je ne fais pas de politique. Ce n'est pas mon rôle. Vous connaissez ce que je pense en politique, au moins à peu près, mais je ne suis pas là pour vous dire ou pour faire de la politique. On m'a proposé, via différentes personnes politiques, de vous réaliser une série d'émissions comme moi j'avais envisagé, d'accord ? Sur la police, sur les gendarmes, sur les pompiers, sur les services de secours. Sauf qu'on me disait, il faudra que tu montres ça, ça et ça. Et ça, je m'y refuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous crée un contenu, j'en suis propriétaire de A à Z, et je diffuse ce que je veux diffuser, avec les valeurs que je représente, et notamment la bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de celles, de gens en colère, et de gens sur Internet qui poussent à la haine. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à un moment donné, on s'est posé avec Hugo, et on a dit c'est non. C'est non, c'est pas une question de budget, on peut pas faire ça aux gens en fait. Je peux pas, parce que Hugo me dit, regarde, imagine, t'as des mecs, il a tout à fait raison le frérot. Le mec, il est en train de se construire, il a 17 ans, ce que tu vas lui montrer. Tu vois? Et en fait, là, à ce moment-là, on nous avait proposé, je vais être franc, je vais pas vous donner le montant est indécent. En vrai, on serait mis tellement bien, on serait même fait de l'argent sur le dos du contribuable. Vraiment, et on a dit non. On a dit non parce que c'est pas comme ça qu'on veut fonctionner. Parce que vous savez que je ne fonctionne pas comme ça, que je ne fonctionnerai pas comme ça. Donc ce donation goal-là ne pourra pas être réalisé pour la simple et bonne raison que je ne servirai pas des intérêts politiques. Peu importe le bord politique, même le bord politique pour lequel je suis rattaché dans ma tête. Parce qu'en fait, mon rôle à moi, il est de vous divertir, pas de vous lobotomiser. Donc même si des fois mon divertissement, certains peuvent dire « Oui, Alex, ça faisait beauf ou ça faisait machin. » Ou... Tu vois ce que je veux dire? Le truc, il est là. Je suis pas là pour faire ça. Donc, je l'ai pas fait. Surtout que là, on me proposait 12 émissions. Ouais, une série, quoi. 12 émissions, j'ai dit non. Voilà, je vous le dis tout, en toute franchise. Je vous dirai pas qui, que quoi, dans où. Je suis pas là pour... Voilà. Mais... j'organise un événement à Nantes, bien sûr, intimiste et sobre. Alors, je suis complètement passé à travers de ça. Pendant un an, j'ai pas pensé à ça. On s'est réveillé avec Hugo il y a deux jours, frérot. Il y a deux jours où je lui ai dit, j'ai une idée en tête, j'aimerais faire ça, ça et ça. Je sais pas comment on peut le prendre, mais... Et il m'a dit, mec, t'avais pas un goal comme ça? Je dis, ah bon? Je rouvre le truc, je fais « Ah !» Bah oui. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas du tout. Entre nous, je l'avais zappé. Voilà. Donc c'est là. Il faut que je le mette sur papier. Il faut qu'on avance. Maintenant,
J'ai pas forcément envie de faire un événement IRL comme vous avez pu le voir sur les autres streamers. Je veux qu'il ait ma personnalité et ce que je peux représenter. Donc là, actuellement, en fait, j'ai une idée en tête qui n'est ce que vous n'avez pas vu. Enfin, ça, vous l'avez pas vu. Hein. Vous l'avez pas vu du tout. Voilà. C'est loin de l'univers du jeu vidéo. Vous ne l'avez pas vu. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse comment, pourquoi. Et puis le prix, parce que qui dit un événement IRL, c'est un événement à 3, 4, 5 000 personnes. Voilà la réponse. Voilà. Mais je vais tenter. On va tenter parce que ça m'éclate en fait. Ce qui est génial, vous savez ce qui me plaît dans le. À l'époque aussi, on avait. Oui, c'est vrai. On voulait pas. Hugo me rappelle de dire, mec, on avait pensé à faire un petit événement style 200 personnes. Et en disant, s'il y a 2000 personnes qui se pointent, c'est la merde. Voilà, c'est dangereux. Voilà, donc on l'a pas fait. En fait, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai vu, hein, je vais pas vous faire le mec qui a pas vu, j'ai vu les débats autour du Z-Event, etc. etc. Moi, je peux vous dire à quel point je suis très content d'y aller pour défendre une association comme l'année dernière, pour être présent. Voilà, parce que tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Donc je suis très très content. Maintenant, si des gens ne le sont pas, si j'ai envie de dire tant pis pour eux, voilà. Maintenant, le truc, il est que je trouve les donation goals, en fait, c'est pas une course à l'argent. En fait, pour vous, c'est stimulant parce que c'est un petit bout qui te dit, tiens, si je donne, il y a ça. Et de l'autre côté, le streamer, il est poussé dans des retranchements créatifs. C'est-à-dire le fait avec son équipe de dire, bon, alors, je me suis un peu énervé, on l'a fait, comment on crée ça? Comment on éclate les gens? Comment on les divertit encore plus? Voilà, donc, voilà. Et donc, le tour de France de bus en France, le tour de France en bus, pour vous rencontrer et dédicacer la Baie Miguel, il va avoir lieu, parce que ça, c'est bouclé. Et c'était le plus gros truc que je vais faire, parce que c'est un truc qui vaut très cher. On va être accompagné par des marques, je vais pas vous le cacher, il va y avoir deux marques, je crois, si je ne m'abuse. L'une je l'ai, la deuxième c'est qui? Ah oui, si, mais c'est bon, je suis con. Et il y aura 5 dates, je peux vous donner un peu d'infos. Il y aura 5 dates, donc on va, nous, 24 heures pour installer le bus, on partira. Il y a 5 dates où on fera, style fin d'après-midi, rencontre, soir, live dans le bus avec des invités. Et voilà, ça va être n'importe quoi, j'adore, ça va être génial. On aura l'itinéraire, mais vous aurez tout, vous aurez l'itinéraire, les villes d'arrivée, voilà. Voilà, c'est quoi le rejet du bus, le trajet? Le trajet n'est pas fini parce que ça va dépendre de mes invités. Voilà, donc il faut maintenant, je suis dans la phase où le projet est tellement bien avancé que tout est ghoul. Maintenant, il faut que je voie les invités. Je suis dessus, j'ai encore calé personne. Je vais être franc, j'ai calé zéro invité. Donc, moi, j'aimerais beaucoup avoir un maximum de monde parce que c'est un peu, c'est un peu en rapport avec le Z-Event. Donc, j'aimerais bien que tu n'aies qu'il joue le jeu, mais voilà, on va voir. Je viens pas beaucoup sur les lives, mais purée, ta façon de tout expliquer est tellement bien. Tu as l'air vachement honnête dans tout ce que tu fais, c'est très appréciable. Merci à toi. Moi, c'est un point qui est important pour moi. Moi, je suis pas là pour créer du drama, je déteste le drama. Au contraire, je le fuis. Maintenant, je pense un minima... Hugo veut organiser un interville. Enfin, on avait dit un événement à Nantes, l'autre, il veut m'organiser un interville. Tu veux streamer interville sur Twitch? Frère? t'as glissé, t'as vrillé? T'as vrillé de où? T'as vrillé de où? C'est les youtubeurs qui font ça normalement, le mec il fait Fall Guys en vrai, tu vois, Il a vrillé. D'habitude c'est moi qui ai des idées à 1 million, ça c'est une idée à 1 million. Le top à la vachette c'est une idée à 1 million, frérot. Il a vrillé. Merci pour le resub, Swag DG. Merci à tous ceux qu'on reçoit, d'ailleurs je vous ai pas lu, putain j'étais à fond dans mon truc. Donc je ne sais pas si cette année il va y avoir un sub goal ou pas. J'ai des idées de toute façon de choses que j'aimerais faire l'année prochaine, que j'aimerais organiser, que j'aimerais préparer tout au long de l'année. C'est un peu bizarre parce que dans notre duo, c'est Hugo qui est censé partir en voyage, pas moi. Je voulais qu'on soit en phase. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à aller liker, mesdames et messieurs. Et vous êtes 4000, si vous allez tous liker mes 3 derniers posts Insta, vous êtes la famille.
Voilà, je vais vous le dire. Comme ça après. Je mettais plein de commentaires dedans pour que ça remonte et que tous les gens disent « Ah, mais cette chaîne, je l'ai découverte, c'est génial !» Attends, je réponds. En temps réel, le Teddy, taille, petit, prendre une taille de plus. Voilà, je réponds, c'est du service après-vente, je trouve ça nickel, impeccable. On en est où? Parce que Miguel n'a pas bougé pour l'instant. Qu'est-ce que je vous disais? Continue comme ça, Alex, je me réjouis de... Alors attends, mais ça avait l'air intéressant ce que tu disais, t'avais l'air d'être content. Tes lives surtout pendant cette période où je viens de me faire opérer. Ah, bon courage à toi. Voilà. Je vous disais quoi? Le planning des prochains jours, ouais, bah il y a le studio. Vendredi, j'ai l'installation de la deuxième ligne, on va peut-être pouvoir repasser en 1080p. Et les frérots de chez OVH, ils viennent, ils installent la deuxième ligne et leur système Over the Box, qui permet d'additionner les débits, etc. Ça va être cool. Donc déjà, vendredi, pas de live en journée en tout cas. Malheureusement, on va pas passer la soirée dessus, mais vous le savez, je suis en train de perdre ma grand-mère qui est en fin de vie. Elle va décéder et c'est affreux, j'espère qu'elle va être soulagée parce qu'elle souffre. Voilà, on va pas s'épiloguer parce que je voilà, c'est un sujet qui est ouf. Mais donc la semaine prochaine, je ne sais pas quand, ou la semaine d'après, je ne sais pas quand, je serai amené à m'absenter plusieurs jours. Voilà, parce qu'à un moment donné, voilà, j'aimerais passer du temps en famille et puis voilà, il y aura tout ça. Ce qui est un moment qui est pas facile. Je parle pas forcément un débat à avoir, mais ce côté où tu sais qu'un proche va décéder, mais qu'il souffre et tu sais pas quand, etc. C'est affreux. C'est affreux dans cette attente, en fait. Tu finis en fait par te dire une chose affreuse en tant qu'humain, c'est que tu espères que cette personne va mourir vite pour pas souffrir, tu sais. Et toi avec, c'est affreux. C'est, voilà. Après, c'est dans l'ordre des choses. Ma grand-mère a 96 ans. Elle a eu une belle vie, etc. Ça fait des années qu'elle nous dit oui. Depuis que mon grand-père est mort, en fait, elle attend la mort. C'est affreux. C'est affreux, tu vois, de vieillir et de... C'est l'impuissance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il va y avoir des jours où... C'est pour ça que j'ai pris mon lundi soir, d'ailleurs. Parce que j'ai appris cette nouvelle au dernier moment. Je me suis dit, voilà, ça n'a aucune utilité de live. Par contre, je vous en ai parlé. J'en ai parlé, parce qu'à un moment donné, voilà. Je trouve que c'est incroyable d'arriver à en parler en public. Bah parce que, en fait, c'est ce qui te fait tenir aussi. Parce que dès que ça permet aux gens de comprendre quand tu as des baisses, tu vois. Je vais pas rentrer dans tous les détails, etc., etc. Mais à un moment donné, tu sais, tu te dois d'expliquer des fois les choses. C'est important. Je vais pas vous mentir en vous disant au dernier moment, bon, alors je vous l'avais pas dit, mais je m'absente deux jours. Non, c'est la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que ma grand-mère est en fin de vie et qu'elle va mourir. Bah, Bonsoir. D'habitude avec les shérifs. Bonsoir. Tout plein de courage. Merci en tout cas. Voilà, vous m'avez envoyé énormément de cœur. Ça fait extrêmement plaisir. Moi, je suis très heureux. Très heureux de voir aujourd'hui les projets que je peux réaliser. De voir cette communauté qui est toujours soudée. Là, on est dans une période d'été où les chiffres Twitch est une catastrophe. Tous les streamers s'arrachent les cheveux en mode ah, qu'est-ce qui se passe, etc. De voir cette communauté qui est toujours présente pour du RP comme pour autre chose. De voir aujourd'hui les marques qui sont. OP pour nos idées un peu tarées avec Hugo, de voir cette année avoir pouvoir collaborer avec le Hellfest, avoir vu Hugo produire tous les événements Twitch, c'est une grande fierté moi de voir le frérot produire tout ça, avoir des festivals aujourd'hui qui nous disent ah on aimerait bien bosser avec vous, etc. C'est une grande fierté, c'est tu vois ce que je veux dire, c'est génial. Moi je d'avoir des gens qui te disent écoute, non seulement on aime bien tes idées mais on va te payer pour. Voilà, bonsoir et je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà. Donc non, moi je c'est vraiment le kiff quoi. Le kiff. Maintenant, voilà. J'aimerais trop devenir chef de projet pour un streamer. Ça a l'air dur, mais trop cool comme expérience. Tu peux devenir chef de projet pour n'importe quelle société qui naît en fait. C'est le même travail. Le streamer a le côté visible. Maintenant, tu as le même côté où tu ne comptes pas tes heures pour le streamer, comme pour son chef de projet, comme pour les gens autour, etc. C'est énormément de temps. Voilà. Perso, quel soit le contenu, je suis toujours présent car j'adore ce que tu fais. Je pense que toute la communauté est plus ou moins d'accord. J'ai hâte de vous montrer ce studio, putain. C'est affreux parce que, comme là, il est moitié en stand-by en attendant du matos et tout. T'as l'impression que ça avance pas alors qu'il avance, alors que ça prend forme et tout. Voilà. C'est aussi grâce à ton authenticité que nous sommes là pour te soutenir dans tes projets. Bah, c'est cool, merci à vous. Donc, oui, je disais que pour le Z-Event, je ne sais pas si je fais un donation goal ou pas. Voilà.
J'ai cru comprendre que beaucoup de streamers ne faisaient pas de donation goal. Je pense que ça vient aussi du débat qu'il y a en ce moment sur Twitter. Débat que j'ai pas compris. Voilà. Bonsoir, comment tu as rencontré Hugo? C'est un viewer à la base. Un jour m'a dit, mec, je gère des talents dans la vie. Pour vous parler d'Hugo, je peux vous parler d'Hugo, tiens. C'est vrai que je parle jamais d'Hugo. Je parle d'Hugo, le frérot, mais je parle jamais d'Hugo. Je sais pas s'il est sur le chat ou pas. Hugo, en fait, à la base, c'est un viewer qui s'est rapproché de moi, qui m'a dit, mec, j'aime bien ce que tu fais, je gère des talents. Voilà. Qui a été le mec le moins agressif au monde. Vous savez, quand il y a des agents de talent, choses comme ça, les mecs sont arrivés, tu promesses monde et merveilles, etc. Voilà. Et là, en fait, Hugo m'a dit, écoute, je gère des talents. Si t'as besoin, si t'as envie, moi, je peux t'accompagner. Voilà, je peux t'accompagner, mec, on peut travailler ensemble si t'as envie. Et là, on a commencé à travailler ensemble et je me suis rendu compte que le gars, il déconnait pas, quoi. Donc au début, c'était mon agent, en fait. Aujourd'hui, Hugo, c'est un associé, je vais être franc. Vous pouvez voir, par exemple, Zerator avec Dash. Moi, Hugo, c'est une partie de ce stream, en fait. C'est mon associé, on travaille tous les deux, en fait. C'est pas, je le vois pas comme un agent qui book des trucs, en fait. C'est un ami, d'abord. Déjà, c'est un ami. Et ensuite, c'est un associé. Donc, on a ce rapport où quand on crée les choses, on les crée ensemble. J'ai pas le rapport, en fait... Tu sais, j'ai pas ce rapport où tu dis au dernier moment à ton agent ce que tu vas faire ou quel OP tu vas prendre, en fait. Là, on les construit ensemble. Et quand il y en a un, parce qu'on fait pas tous les projets ensemble, quand il y en a un qui a un projet qui cartonne, on est fier de lui, on l'épaule, on est là, on dit « Vas-y, go, je peux t'aider, n'hésite pas », tu vois, voilà. Donc voilà, non, c'est... Donc Hugo, c'est quelqu'un qui vient de la musique à la base. Il bookait des artistes que vous connaissez, aussi bien en concert que sur des vidéos internet, etc. Donc il a un réseau qui est déjà énormissime dans la musique. Il commence à avoir un gros réseau dans la partie jeux vidéo. Son agence à lui s'appelle New Voice. Si vous voulez aller voir ou si vous êtes... voilà, mais si vous prenez tout le monde, enfin, les streamers, tu dois d'avoir en fait ton binôme. Si tu prends Zera, Yadash, Clément avec Domingo, enfin tous quasiment, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout seul en fait, tu dois être entouré d'un comptable, entouré d'un avocat, entouré d'un associé, entouré de... T'es obligé, sinon tu sais pas faire. Merci le chat qui donne l'Instagram de New Voice Talent Service, voilà. Ils font des trucs un peu cool quoi. Antoine et Daniel. J'en veux plus de vous. Antoine avec Daniel. Bonsoir, j'espère qu'il va bien. J'aurais une question. Ah, est-ce que pour mettre une personne avec une... A-t-elle la dépression, membre inférieur? Attends, on va se la refaire. Dans le mid, il faut la retirer avant. C'est une interrogation d'intervention? Il faut que tu me donnes tout. Est-ce qu'on peut mettre une personne avec une attelle à dépression membre inférieur dans le mid? Alors attends, si je reprends les cours, théoriquement, une attelle à dépression, en fait, c'est... Il faut que je vous explique. Une attelle à dépression, en fait, avant, on avait des attelles dures ou souples. D'accord? Les attelles dures en métal ou les attelles souples qui se mettent. Oui, une attelle, c'est pour qu'un membre ne bouge pas. D'accord? Il a bossé aussi avec ma flèche à Carito. Oui, il n'y a pas que... Icos pour moi? Non. Une attelle à dépression, c'est une attelle avec une pompe, en fait. Tu la poses et touf, par dépression, il y a de l'air, les billes vont se... Hop, il y a des billes et puis ça va se mettre sur ton membre. Et le mid, c'est le même principe, mais c'est un matelas complet sur lequel après on referme et la personne ne peut plus bouger. Moi, je te dirais que tu peux. Je te dirais que tu peux, en fait, parce que... À partir du moment où tu as déjà l'attelle, une fois qu'elle sera le mid, si tu as la jambe cassée ou chose comme ça, on va te mettre l'attelle, et puis après on va te mettre le mid s'il y a une suspicion sur le rachis ou chose comme ça. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas. Maintenant, je ne suis pas chef d'agré, donc c'est pas moi qui décide. Tu vois, c'est un chef d'agré normalement qui décide de la procédure. Moi, je pense que les attelles. Moi, je pense que tu peux le mettre dans le mid. Il n'y a pas de. Je pense que tu peux. Voilà, maintenant je peux me tromper parce que je suis pas chef d'agré et que c'est pour moi qui fais les procédures. Voilà. Vraiment, je trouve que le métier de booker, manager et accompagnateur d'artistes est le plus beau métier possible. Bah, tu demanderas Hugo, tiens. On fera une question-réponse avec Hugo un jour. Ça peut être très drôle. Dira tout sur les artistes avec qui il a travaillé. Surtout avec moi, ça sera très drôle. J'ai un vague souvenir de toi à une époque reculée de Minecraft avec le Pick for You. J'ai fumé le chiffon, tu l'avais bien connu. Ah bah oui. Ah oui, parce que c'est là où j'ai commencé en fait avec iPlay. L'équipe iPlay4U faisait du Minecraft et tout. Ah, et tout, du Minecraft, c'était bien déjà.
Au fait, à quand les live pompiers? J'ai aimé ce que tu avais fait. Alors, je répète ce que j'avais déjà dit. Bah, en fait, on est en attente de la fédération. Pour l'instant, il n'y a rien de validé. Tout est en stand-by. Voilà. L'émission qu'on a fait était un test. Cette année, ils avaient d'autres choses à faire. Pour l'instant, on est en stand-by. Pour l'instant, ils ont préféré aller vers du e-sport. Ils ont fait une équipe d'e-sport sur LOL. Je sais pas l'explication, mais voilà. Et voilà, donc on vous refera le point avec eux. Comment tu te sens en ce moment de ce que tu fais? Tu t'éclates? Je m'amuse, mais là, je vais être content d'aller en vacances. Je sature. Je sature pas du RP ou du machin. Je sature du surplus de tout. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la commu. Et même si vous êtes une énorme commu géniale, en fait. Tu sais, les mêmes questions, les gens qui sont derrière toi, les gens qui sont jamais contents. Twitter, quand tu vois Twitter et le sel, tu dis, moi je suis plutôt épargné, mais quand tu vois en ce moment Twitter, tu dis, ah, d'accord. Le studio avec le coût du studio, les marques qui t'accompagnent, les délais qui vont pas. Et en fait, tu sais, t'as une espèce de fatigue mentale qui s'installe. Et là, je vais vraiment, en fait, cette déconnexion. Les 15 jours de vacances, en plus j'ai pas pris 15 jours en 10 ans, donc là 15 jours ça va être une dinguerie, ça va être génial, je vais même pas regarder les réseaux en fait. Pendant 15 jours, franchement, Twitter peut cramer, j'en ai rien à foutre. Déjà de base, Twitter peut cramer, j'en ai rien à foutre. Voilà, moi je trouve que les gens ils partent en couille sur Twitter à une vitesse, voilà. Le voyage avec ta femme, on est parti une semaine, j'ai pas pris 15 jours de vacances d'affilée depuis... 15 jours sans Twitter, c'est le feu sans Twitter. Du coup, on peut dire que Hugo est un peu comme ton Jarvis. Ouais, un peu. Ouais. Hugo part en vacances en même temps que moi. On a calé ça en même temps. Quand on va revenir, des piles électriques, hein, je vous le dis tout de suite. Ta femme et tes enfants qui vont être contents ou pas? Ouais, ils sont contents. Après, j'arrive à passer du temps avec eux. J'ai pas de soucis. En fait, par rapport à d'autres streamers, qui arrivent à 17h, 19h, vous l'avez vu, il y a 2 heures avec moi. Il y a ou la journée ou le soir. Il y a une pause entre les deux, parce que cette pause elle est essentielle, je vais chercher mes enfants à l'école ou ailleurs, et après je passe au moins 2 heures avec mes enfants. Et ça c'est hyper important, parce que moi je ne veux pas passer à côté de ça en tant que papa, donc si on veut aller au parc, si on veut jouer dehors, si on veut faire du vélo, etc. Voilà, j'assume d'être un papa et un streamer en fait, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des streamers ne le comprennent pas, peut-être les communautés tu vois, toujours le baseball, ouais. Donc ouais. Moi, il y a ce côté où ce qui m'a desservi pendant longtemps, en fait, de dire « Ah bah tu vois, il n'est pas venu à tel event qui était sur 2 jours, au milieu de semaine et tout. » Bah non, parce que j'avais les enfants à garder, parce que je peux pas me barrer comme ça, parce que je peux pas dire à ma femme, je me vois pas dire à ma femme « Tu gères les enfants, je me casse. » J'ai utilisé une expression, je dis en ce moment, vu que c'est tendu, je vais utiliser une expression en blaguant, il va me dire « Ce n'est pas une blague, vu que tu le dis, tu le penses. » J'arrête, je fais attention. Non, on ne peut plus blaguer sur rien. Voilà, donc... Je sais que ça m'a desservi pendant une période sur plein d'événements en fait, où ça a été mal pris par certains streamers qui organisaient en disant « Ah, il est jamais là ». Mais c'est pas « il est jamais là », c'est qu'à un moment donné, mes enfants c'est ma chair quoi. Je les élève et tout, donc je me vois pas leur dire « Écoutez, papa s'en va, démerdez-vous, rien à secouer ». Non, tu peux pas faire ça. Donc je prends suffisamment de temps, d'événements à l'année, etc. Pour pouvoir, voilà. T'as une vie? Ah bah oui, j'ai une vie, des potes, j'ai tout ça quoi. Voilà. Bah tu mets ton YouTube à jour. Je suis à la bourre, vraiment à la bourre. Je suis à la bourre. Voilà. À t'écouter, ça ressemble un peu à un monde de requins. Mais c'est un business en fait. Pardon, excusez-moi, vous pensez encore tous que les streamers sont tous copains. C'est des chiffres, c'est de l'argent. Pardon, excusez-moi, un viewer c'est un sou. Hein. Pour la plupart des streamers, un viewer, c'est un sou. Donc, aujourd'hui, c'est ce que YouTube a vécu il y a quelques années, c'est des guerres d'ego, des guerres d'argent, des guerres de prod. Tout le monde ne s'aime pas, et vous voyez des streamers, des fois, sur un même plateau, ils se détestent. C'est comme ça, c'est du business. C'est du business de divertissement. Je pense être invité à Popcorn un jour, je serais très content d'être invité à Popcorn. Maintenant, je suis invité, génial, je ne suis pas invité, tant pis, voilà. C'est pas... Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, bien au contraire. Mais ça reste du business, en fait. Quand tu crées une émission, quand tu crées un plateau, il faut qu'elle soit rentable. Rentable ou en termes de communication pour la marque qui investit, ou rentable pour la personne qui produit. Donc, ou les deux. Donc, on parle de gros sous, on parle en dizaines de milliers d'euros par moment, on parle des fois en centaines de milliers d'euros. On parle de chiffre d'affaires qui défie des fois toute concurrence pour certains streamers.
Donc, bien entendu, en fait, aujourd'hui, tout le travail sur de streamer, en fait, il est là. C'est ton business, en fait. Aujourd'hui, tu vends du divertissement. Si tu prends la plupart des animateurs radio ou télé, ils peuvent pas se piffrer. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des sous ici, mais on brille, nous. C'est ça. À la télé, c'est pareil. T'as plein d'animateurs ou à la radio qui peuvent pas se piffrer. C'est une question d'audience, en fait. Ça veut pas dire que les gens n'aiment pas leur commu, en fait. Ça veut pas dire que les gens n'aiment pas leur commu. Loin de là, en fait. Simplement, à un moment donné, bah, tu dois exister. Et des fois, c'est au détriment de marcher sur la gueule des autres. Et si vous saviez. Si vous saviez. Moi, je parle jamais. Je suis pas dramaland, mais vous savez, le problème, c'est dès que tu fais un peu de vue sur Internet, dès que t'es, tu vois. Oh là là. T'as toujours du monde pour. Mais c'est comme dans toute entreprise, en fait. C'est comme dans toute boîte, les gars, pardon, hein, mais dans l'entreprise où vous travaillez, vous avez forcément un collègue ou deux qui est prêt à vous défoncer pour prendre votre poste, qui est prêt à ceci, l'entreprise concurrente qui est prêt à passer devant. Voilà. Mais ça, c'est partout, en fait. Maintenant, où tu vis avec, ou tu changes de taf. Maintenant, moi, mon boulot, il est là, peu importe ce qui se passe, peu importe, tu vois, peu importe la situation d'arriver, mec, il dit 3, Henriette, 3, 2, 1, plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, et tu y vas. La marque, les gens me payent pour les divertir. Et donc, t'en as qui accrochent avec ce que je fais, qui disent génial, j'adore ce mec, et t'en as qui n'accrochent pas du tout, et qui disent, bah voilà, je continue pas, je regarde pas, Alex Lee, quoi, non, j'aime pas. Voilà, basta. Maintenant, la propension, c'est la proportion de gens qui disent, j'adore ce mec. Avec une marque qui paye derrière, qui dit potentiellement c'est du plus, ça va se revoir, etc. Voilà. C'est tout. Maintenant, ton métier, il est là. En tant que streamer, ton métier, il est de divertir les gens. Donc, pour certains, le divertissement, il passe par du drama. Et c'est pas nouveau, le drama. Moi, je sais que quand on était sur Dailymotion, c'était déjà le cas. Le streamer qui pleure, le streamer qui gueule, le streamer qui insulte un autre streamer, le streamer qui fait des sous-entendus. Et les gens, ils sont là, ils se délectent, tu sais. Donc après, voilà, maintenant, où tu vis avec, mais faut pas, j'ai l'impression qu'il y en a d'entre vous qui sont là, ah bon, ah, je pensais pas, mais bien sûr que si. Voilà, est-ce que vous allez me dire, est-ce que toi, il y a des gens que tu détestes? Non, parce que, en fait, en tant que papa, moi j'aime pas trop, mais je regarde, ça c'est hyper bizarre par contre, ça c'est hyper bizarre, moi j'aime pas trop les slicks, mais je regarde, voilà. En tant que papa, je passe ma vie à faire le gendarme avec mes enfants. Parce qu'ils sont à l'âge, en fait, où mes enfants se mettent en danger toutes les 3 secondes. Donc tu dois être derrière eux. Mange pas de bonbons à telle heure, fais attention, va te laver la bouche, t'es crado, est-ce que tu t'es changé, t'as pris ta douche, parle pas comme ça à ta sœur, parle pas comme ça à ta mère, parle pas... Et en fait, quand moi j'arrive et que sur Internet on me dit « Oui, Alex, clic, machin !» Je suis là, je dis « Ah, c'est bon. Allez, salut !» C'est vraiment ça. Allez, salut, quoi. Ah bon, tu te bats pas avec moi? Ah, vas-y, va dire ce que tu veux sur moi, j'en ai carrément rien à carrer le fion. Vraiment. Voilà, parce qu'à un moment donné, voilà, je t'aime pas, mais je reste car je déteste les autres. Très bien, vous me faites un peu peur quand même, voilà. Je passe suffisamment de temps, en fait, où tu te rends très vite compte, en fait, que la vie, non seulement elle est courte, mais qu'en plus de ça... Tu parles à des gens. Et je pense qu'il faut pas vous prendre pour des cons. Parce qu'en fait, quand tu prends les gens pour des cons, à un moment donné, ils le voient. Et ce moment donné-là, bah, tu prends le karma dans la gueule. Et là, ça pique. Hein. Et là, ça pique. C'est la même chose que dans beaucoup de métiers. Ah, mais tout à fait. Hein. Je suis restaurateur et c'est la guerre permanente avec les autres restaurants, même si tu t'en fous complètement. Ah, mais ça n'empêche pas, en fait. Ça n'empêche pas aujourd'hui que... On va me dire zéro rapport, mais je pense que si tu es invité aux Z-Events, ça veut dire énormément sur ta capacité à divertir beaucoup de monde tout en restant une bonne personne humble surtout. Non mais enfin, quand avec Hugo on envisage quelque chose style le bus, il fallait qu'on trouve aussi un seuil de rentabilité au moins pour être à l'équilibre. Parce que si tu fais pas ça, à un moment donné je veux bien avoir fait un Donation Goal Z-Event, mais si c'est pour être dedans de 20 000 balles, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc... Bah, tu vas chercher des marques, tu machins, tu me dis, c'est obligé. Sinon, faut être con. Ou alors, tu sais que tu es dedans,
Mais tu sais que ton comptable t'a dit que pour les impôts, c'est bon. Voilà, tu t'es obligé. À un moment donné, tu peux pas créer une entreprise en te disant je vais dilapider des sous, je vais en perdre. Ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, il y a un degré de personnes qui, eux, sont au taquet. Hugo m'a envoyé un message, il m'a dit tu te calmes, tu parles de rien. Hein. Si Hugo, je vais tout balancer maintenant. Non, clairement pas. Vous savez quoi? Moi, je suis le genre de personne, en vrai, je peux hurler après une personne. Je peux la détester sur le moment. Je peux la maudire. Je peux, tu vois, en disant ah, je comprends pas, pourquoi, machin. Ok, je peux devenir dingue. Cette personne, je la vois dans la merde, je la laisse pas. Je vais la chercher et je l'aide. En fait, je suis vraiment la bonne poire. Ma femme, elle dit toujours ça. Elle dit allez, t'es la bonne poire et tout. Moi, c'est vraiment ça. Je peux pas. J'ai pas pu m'engager chez les pompiers pour être capable de cracher sur quelqu'un comme je le fais avec Miguel. Vous savez, quand Miguel, il est là hier, en fait, quand je faisais ces moments-là avec Miguel, je m'en veux. Tu sais, ce moment où Miguel, il va voir Polmar, il le plante et il fait. Et à ce moment-là, je me dégoûte, je me déteste. Et c'est là que c'est un rôle de composition. C'est que c'est pas moi, en fait. C'est que moi, je suis dans la discussion, dans le respect, dans l'écoute, dans le machin. Jouer Miguel, c'est jouer pas l'opposé, mais un truc qui est complètement, tu vois, à côté, quoi. Voilà. Donc c'est une grosse qualité, mais c'est aussi un énorme défaut, en fait, d'être la bonne poire. Maintenant, je m'en sors pas si mal. Je vous ai vous, j'ai Twitch, j'ai Hugo, c'est beau, j'ai ma femme aussi, parce qu'elle va être jalouse après. Voilà. Petite question par rapport au Teddy. Comment tu as fait pour sortir. Attends. Aussi vite la version manche blanche qui colle avec la nouvelle tenue Mano. Tu as eu un peu de temps depuis le changement de tenue en RP, non? Tu veux l'envers du décor? Le modèle, je l'avais déjà depuis longtemps, celui-là. Et quand on a refait la tenue, il y avait le choix entre les deux. Et les gars m'ont montré une tenue. Donc à la base, il devait y avoir, ça devait être l'inverse en jeu. En disant, bah ouais, je m'en fous, c'est pas grave. Et les gars m'ont dit, ah, regardez, il y a celui-là. Et quand je l'ai vu, je dis, ah bah non, frère, c'est le même. Je dis, bah alors là, mon gars, c'est du pain béni, on garde cette tenue, quoi. Voilà, je dis, on garde cette tenue. Voilà. Je vais pas te mentir. On... Ah, c'est pas ah, par hasard. Non, j'ai vu le truc, les gars m'ont dit ça. Je dis, oh, bah non, on sort le Teddy en juillet, let's go, quoi, on y va. À un moment donné, c'est vendeur, le truc. Voilà. Tu joues ton rôle, c'est normal. C'est pas qui tu es. Ah bah oui, non, mais heureusement. Imagine, je suis Miguel dans la vraie vie, mon gars. Étant la bonne poire, ça m'est revenu dans la gueule plus d'une fois. Et si jamais j'arrêtais pas autant, force Alex. Non, mais voilà, ma vie est pas merdique, elle est cool, ma vie. Hein. Je peux pas me plaindre. Maintenant, je peux comprendre les. Tu sais, sur internet, quand on parle des gens qui en peuvent plus, les streamers qui en peuvent plus. Ah, je vais sortir de prison. Les streamers qui en peuvent plus, etc. Je l'entends, c'est physiquement. Enfin, c'est pas physique, c'est mental. Tu sais, quand tu as des gens comme ça. Qui te pose des questions, qui, des fois t'as l'impression de te faire agresser en boucle, tu sais. T'as fait ça. Voilà. Donc moi j'ai pu voir notamment les tweets de Zera, je comprends en fait que ça l'affecte. Je comprends tout à fait que ça l'affecte en fait. Si je quitte pas le périmètre, ça va sonner. Je comprends. Ça prend des proportions quoi. Pour les scènes de torture, il y a des conversations HRP avant. Ouais, c'est Monody qui gère ça. 1, liberté, 2, braquage. Et c'est bien, ça nous fait une soirée de discussion. Ah putain, ils m'attendent tous. Oh, c'est bon, putain. Ça, c'est la famille. Ah, ça, c'est la famille. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons. Pourquoi ils sont de chaque côté? Vous m'excusez les clans de gauche, mais il y a ma femme à droite, alors comme je veux pas des problèmes et... Non, mais j'ai... Ah bah, super. Ah bah oui. Bonjour Miguel. Bonsoir boss. Donnez-moi M. Bonsoir chérie. Donnez-moi I. Oui. Donnez-moi G. Donnez-moi U. Mimi. Miguel. Miguel. Alors, ah bah du coup non. Ah oui, non, il n'y a pas eu des perquisitions. Alors si, je vous fais le résumé. Vous inquiétez pas là. Bon. Alors, à la base, hier, on devait juste et... Je vais m'arrêter. Ah, let's go. Attraper... Vendre la Saint-Tourneau. Oh, la Saint-Tourneau, faut que je la vendre. Il achète 600 000, monsieur Martin. Et oh. Je vais y aller. Et donc, je voulais juste attraper les... Et... C'est carré, ça fait... Hein? C'est quoi?
Une radio. Roger. Comment tu fais la radio, Ben? Ça m'a manqué. Hier, on s'est fait tellement défoncer le cul. Bref, alors, là, et on n'est pas loin de la maison. Je roule en voiture lorsque j'écrase un homme. Oh. En moto. Ah oui, c'est. Oui, c'était un richet. Oui, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Sachant que je dois le tuer parce qu'il a dit tout à comment ça s'appelle. Ah, j'ai plus les pistolets à la presse. Bref. J'ai un gun. Donc si tu veux. Là, au moment de nous, je l'écrase. Il y a des mecs qui passent en voiture juste après. D'accord. Allez. Là, je dis dégage. Le mec il fait et sinon quoi? Je sors mon arme. Il sort son taser. Je dis sors pas ou je te bute. Il s'en bat les couilles. Il continue. Il me tase. Oh là. J'ai gardé le sang-froid. Voilà. J'ai tiré sur toute leur voiture. Allez, sauf que derrière, voiture de police qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais noyer les poissons. Ah oui, bah oui. Voilà, je dis à ma femme, on les braque. Ça permettait de récupérer la radio. On les braque, ça se passe bien. En plus, j'ai fait les meilleures actions russes de la vie. Bon. Vladimir Mekouyansky. Ah, Vladimir. Ah, la mafia russe était en ville, oui. Oui, oui. Si. Después, on monte dans les voitures, on prend tout. Les radios et les machins. Déjà, il n'y avait pas de plein dans la voiture de police. Oh déjà, non. Oh déjà un quart. On fait 100 mètres sur Quantum. Bim, l'armée. Oh putain. Voiture, hélicoptère, voiture, voiture. 100 mètres. Bon, là, donc on demande à Pablo. Il n'est pas là, Pablo? Non. Non, demain. Allez. Donc on demande à Pablo. Et avec qui? Il y a Valan. Il y avait Chris et Lana. Chris et Anna. Donc, là... Ils nous font des barrages, on tire sur la police, il n'y a pas moyen de jaja. Chris disparaît, en fait, il avait déjà prévu d'aller à la prison tout seul en avance. Ah ouais. Voilà. Non, c'est... Ouais, vous oubliez, on vous a quand même ramené une voiture. Parce... Oui, c'est vrai. Là, la police, elle décide d'être con, ils nous rendent dans le cul et commencent à tirer. Ma femme, elle fait un pneu ou deux, tout va bien. Là, elle commence à devenir un peu violent et ta-ta-ta-ta-ta-ta, ils nous tirent dessus comme des connards. Ça siffle dans les oreilles. Oui, ça siffle fort. Là, j'ai dit à ma femme, pas de soucis, on passe par le port, on tente les coups de l'eau. Parce que d'Amsterdam, par contre. Dans le port d'Amsterdam, il y a les migraines qui flottent. Et donc là, on va dans l'eau. Là, chacun se sépare. Ils commencent à nous cartoucher dans la flotte. Ah oui, je m'arrête pour discuter. Allez. Et j'ai dit, de toute façon, je dis que c'est moi et que Pablo, il va tuer tout le monde. Voilà. Ouais. J'ai appelé Pablo, j'ai dit, Pablo, tue tout le monde. Là, entre-temps, ma femme, et je ne la vois plus. En fait, la vérité, c'est qu'elle avait fait Pamba Glouglou. Non, je me suis pas noyé, ils m'ont terminé. Ah, d'accord. Oui. Bon, donc là, je sors. On commence à discuter avec Flech et Chérif Rajoué. Donc, on discute. Bon, déjà, j'ai rencontré Toutou, l'homme du BCSO qui, quand tu lui dis « Je suis Charles Collins, maintenant, arrête, baisse ton arme », le mec te dit « Si je veux », et il t'a tasé. Ah oui, ça va être compliqué, ça. Mais c'est compliqué. Lui, je veux le choper, Toutou. Bref, j'ai discuté avec Flech. Ça commence à devenir tranquille, ça se calme. Flech me dit, appelez Pablo, on va discuter, on va trouver une solution. Vous allez juste laisser là, vous allez prendre une amende, vous repartez. Ouais. Tout allait bien. Discussion, quoi. Discussion. Ouais, jusque-là, ouais, voilà, ouais. Donc j'appelle Pablo. Là, qui c'est qui arrive? Connard. Gros connard. Gros connard. Attends. Gros Polmar. Gros Polmar, oui, c'est ça. C'est Polmar, sinon, mais... Polmar, il me dit... C'est Polmar, connard. Monsieur Collins... Bon, j'ai un téléphone où je vous tire dessus. Je lui dis, Polmar, c'est vu avec Flech. J'en ai rien à foutre. Vous rentrez ce téléphone et vous me le donnez. Je dis, Polmar, arrête d'être con. C'est vu avec Flech. Laisse le BCSO gérer, j'ai le droit. Moi, de toute façon, je vais vous tirer dessus. Ah ouais, il est con, hein. Il est vraiment con, lui. C'est là où c'est un peu parti en couillé. Oui, normal, oui. Ah, j'ai ouvert cette fille de pute. Ouais, bah, normal. J'ai pris un couteau, j'ai. Après, j'ai craché dessus, j'ai fait. Voilà. Alors, sans faire esprit, j'ai peut-être aussi taillé des flèches. Il était au milieu, Ah ouais. Ah oui, c'est. Oui, je vais te dire, c'est dommage collatéral. Voilà. Donc, c'est pour ça que t'as plus longtemps que nous, du coup. Oui, j'ai mis beaucoup plus longtemps. Après, je suis arrivé et poste de police. Voilà. Ouais. Entre temps, j'ai craché sur Polmar 2-3 fois. Voilà. Après, je suis allé à l'hôpital et comment il s'appelle le directeur? H. Oui, il m'a dit que pour 1 million, il tue tout. Mais non. Si, il m'a dit 100 000. 1 million, il tue tout le monde, lui? Oui, on était à 500 000, il m'a dit c'est pas assez cher, mais je pense qu'un million, ça passait. Ah oui. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Oui. Donc, je vois les nouveaux procureurs. Il est très bien. Wyatt Reynolds. Ouais, oui, bah, ah, ouais, yes, ouais, il est procureur. Alléluia. Il est très bien. Il est génial. Procureur général, on a discuté, on a trouvé une solution et il a aménagé la peine. Oh, génial. Donc, ça marche, ce procureur, ça veut dire qu'il sera plein la sérigraphie et il nous collera plus au cul. Ah, d'accord, mais il est très bien. Et donc là, j'ai une idée. J'ai avoué deux trucs. Ouais. Et résultat, il a déchargé. La première, j'ai avoué que c'est nous qu'on a attaqué les civils. Ouais. Il m'a dit, vous savez des trucs là-dessus? J'ai dit, oui, c'est nous. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, oui, on voulait faire les extorsions, mais il n'y a aucune entreprise qui mord, ça fait chier la bite. Et... voilà, donc il nous a dit, eh bon, alors j'enlève des charges si vous laissez les entreprises tranquilles. Ok, d'accord, voilà, je te donne les... bon, c'est bon. Le gars comme ouais, ça. Voilà. Et la deuxième, je leur ai donné une énorme affaire pour ne pas avoir aucune perquisition. Parce qu'entre-temps, Pablo, j'avais dit de tuer tout le monde, il est sorti à la K-47, il a commencé à allumer tout ce qui bouge. Oui, tu m'étonnes. Et Pablo, il hurlait, place des cubes, j'ai faim. Alors, comment vous dire que Pablo l'a récupéré dans une forme que j'ai jamais vue. Allez, donc là... et j'ai dit, oui, on peut éviter les perquisitions. Il m'a dit, il faut donner un gros truc. Et j'ai dit, j'ai le truc qu'il vous faut. Et j'ai donné... Tu leur as donné quoi? Je leur ai donné notre marchand d'armes. La Squadra. Ça leur fera le cul de me prendre pour des cons, ces fils de pute aussi. Donc j'ai expliqué que la Squadra vendait des armes. Et j'ai même dit où ils habitent et où est-ce qu'ils cachent les trucs. Et j'ai tout dit. On n'a jamais acheté d'armes à la Squadra. Mais je sais très bien, mais je les encule. La prochaine fois, ils me prendront pas pour un con, la Squadra, oui. Tu croyais que j'ai donné mon vrai fournisseur d'armes? Ça va pas les culs, oui. Et d'ailleurs, on en est où avec la Squadra? On est toujours en guerre contre eux ou... Alors, pour avoir une guerre, il faut des soldats. On n'est pas en guerre, j'en ai planté la moitié. L'autre, il a dit non, non, faut nous laisser maintenant, d'accord, Miguel. Ouais. Voilà. Oui, donc là, maintenant, je vais laisser la police dessus, comme ça, ça lui fera les culs. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est les résumés. Oh, ouais, ça va. Et encore, je tiens à rajouter que selon l'annonce de police, ils nous auraient perdu de vue pendant quelques instants. Ah ouais, ouais, super, ouais. On aurait peut-être pu s'en sortir. Avec une tenue de plongée, probable. Alors, vu comment ils tiraient avec une tenue de plongée par balle. On peut mettre le gilet LSPD qu'on avait piqué d'ailleurs. J'y ai pas pensé. Pourquoi tu lèves la main, Ben? Tu prends la température du vent? Ouais, non, mais j'attends. J'attends. Question. Oui. Mais j'attends. Je coupe pas la parole. Attends longtemps, ça va, je suis en forme ce soir. À toi. Je suis dit que maintenant j'ai donné la parole comme ça. Vas-y. On refait des radios ce soir? On sort de Fédé, Ben. Oui, c'est vrai que... on s'est fait trouer comme des lapins, Ben. Non, ça ne connaît... c'est une... est-ce que j'ai une ITT? Non, je crois pas que j'ai une ITT. Non. Mais j'ai plus les pistolets par contre. J'en ai moi, t'inquiète. Nickel. Tu veux? Tu veux reprendre la parole? Non, non, c'est bon. Tu veux reprendre la parole? Non, c'est bon. Bref. Bon, d'abord, il faut... attendez, avant toute action criminelle, je vais vendre la Zantorno, comme ça, je déclare les impôts. Nickel. Bon, allez, il me la reprend à un bon prix qui... ah, d'ailleurs, j'ai eu une amende de 175 000 dollars hier. Ouf, ouais. Il faut que vous la rentiez sur la compta, boss. Pour l'agression des Polmar. Ah, je vais faire un truc. Ça devrait être gratuit pour lui. 175. Attendez, j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis le temps. Polmar, c'est un connard. Gros con, sac à merde. Ah, s'il répond pas, c'est... il va pas répondre. Ah non, je croyais qu'ils allaient sortir et qu'on allait se faire écraser. Il va sortir où? Il répond pas. Oh. Mais non. Polmar, il casse les cycles. Il casse les cycles. Tout est fini, j'arrête la mano, j'ai dissipé tout le monde, c'est terminé. Polmar ne répond pas, je m'en vais dans le désert. Je vais devenir shérif et faire du cheval. Ah. Non, je déconne. Non, toi, c'est dans le western. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est n'importe quoi. Vous me cassez tous les couilles avec vos westerns de merde. C'est débile, les westerns, non. Vous voulez qu'on fasse quoi? Du cheval, le temps qu'on y est? Hey, moi, je joue à Alexandra Lederman. C'est trop bien. Ouais, je regarde pas mal de westerns, c'est plutôt cool. Bien, Alexandra Lederman. On va vendre la Zantorno ou... ouais. Il y a eu un petit genre là. Allez, on va faire la Zantorno. Hein, je crois que c'est... oui. Ouais, j'ai pas envie d'en reprendre une, tu vois. Non, il faut que je la vende. C'est plus possible, ouais. Ça nous coûte une couille. Et c'est ton dernier jour de faire tes impôts en plus. Voilà. Donc, à la maison, il faut que je rappelle John. Et bonne nouvelle au fait, j'ai chopé un bateau comme le tien. Ah, c'est chouette ça. Je crois que c'est John ça. C'est chouette ça. Monsieur, je crois qu'on est... John, ça va la forme? Ça va très bien. La famille, ça va? Ouais, ça va, il m'a tête. Ok, impeccable. Et question, John. Sur le sujet d'hier, est-ce qu'on est bien d'accord que de temps en temps, juste basculotte, paf, c'est agréable. Quand
comme je vous ai dit, ça dépend du mood. Ça dépend du mood, mais il faut de temps en temps un mood un peu... Oui, un, ah oui, un peu, fois, il faut, un peu plus défoire, quoi. Si ça a envie des deux côtés. Mmh. Ouais, carrément. Mmh. T'as vu, chéri John, il dit que ça serait bien de temps en temps qu'on fasse du cul des foires. Tu sais mes conditions, chéri. Ah oui. John, ma femme, elle dit d'accord, je suis puni de cul tant que je change pas la tenue des maisons. Mais... Elle veut qu'on revienne classe, ah, sinon j'ai plus des culs. Ah, ça, c'est votre popote. Vous faites. Cool, ah, il y a John, il dit qu'il faut que t'ailles faire la popote. Non, mais non, mais... Oh là là. La popote, c'est un peu vieille expression, hein, quand même. Elle... Ouais, mais t'as pas je peux dire. Elle a sorti un couteau, John. John, elle a sorti un couteau. Ouais, non, c'est pas vrai. John, j'arrive avec la scène tourneau. Dans 10 minutes. Ok, bah y'a monsieur Martin. Nickel. A tout de suite, ma femme a hâte de vous voir, John. Ouais, t'as pas dit, je m'excuserai. Allez hop. Adieu, John. Qu'est-ce que quelqu'un peut préparer un trou? Et. Oh, John, il est chouette. Ah, ça y est, je l'ai dans la tête. Tu sais qu'il y a une suite à son. Ça... Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? C'est un vrai morceau. Non, c'est pas bon. C'est pas ça non plus. Comment ça, c'est vrai? L'occasion t'écoutera, mais tu sais que c'est un morceau, il dure un peu longtemps quand même. Caliente, caliente de la familia. J'ai toujours rêvé d'être trompettiste. Un quoi? Trompettiste. Un baptiste? Trompettiste. Un trompettiste. Ok. C'est YMCA ça. Allez, tu peux me dire n'importe quoi, j'ai les trompettes. Tu donnes une chanson, j'ai la trompette. Je les trompettise. Tu l'en trompes. Tu veux les génériques des mots, tu sais. Vas-y, n'est-ce pas? Incroyable. Je peux quasiment tout trompettiser. Et les génériques des Simpsons. C'est impressionnant. Je sais, c'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis né. Chérie, tu veux une chanson? Oh! Vagos, vagos. Ma pigée, putain, ma pigée. Ma pigée, putain, elle me connaît. Oui. Oui. Oui, oui, c'est possible. En trompette. En trompette. En trompette. Oui, oui, en trompette. Et en trompette en la majeur ou en si mineur? En do. Mout-mout. Ah, do mout-mout, c'est compliqué, ça. J'essaye, je l'ai jamais fait. C'est vrai que. Mm-hmm.
C'est super dur, Vagos, Vagos, c'est la trompette. C'est un Doremi, ce truc. C'est hyper dur. Elle m'a figé. Tu m'as figé, nom de Dieu de merde. Eh oui. Vous êtes lumineux, boss. Je sais, mais j'ai tenté une connerie, mais ça va passer. Allez, je sais pas, j'ai Emma. Moi, je pouvais tout trompétiser, mais ah en fait, non. Non, 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 pas la police. Pas rien fait, c'est pas nous. Hein. On a rien fait. Et le pire, c'est qu'ils viennent par là. Hein. Bah, levez les mains, quoi. Ils sont le GIGN, à droite, je crois. C'est pas nous. Ils vont passer plein de balles. Et si c'est vraiment le GIGN, on se casse, hein. Pas des perquisitions. Ah oui, on refait comme la dernière fois, ils me retrouveront pas. J'ai mon buisson. J'ai pas réussi à... C'est bon. Je pensais que je pouvais tout trompétiser. Je suis dans une déception comme vous, jamais vous ne l'aurez. Je pensais que j'étais une artiste. Tu crois que tu peux trompétiser Harry Potter? Ah si, c'est facile ça. M'a piégé avec Vagos Vagos, c'est mon propre titre et je ne sais pas les faire. Ah ouais? Oui. Oh merde. Mais c'est qui lui? C'est qui court là? C'est qui court? Je sais pas. Où j'ai, ça? J'ai pas d'armes. Battez-le! Non, je déconne. Tuez-le. Il est donc qui court? On l'a déjà mal... Oh, c'est un flic en plus. C'est un policier? On le découpe du coup? C'est un flic en plus. En fait, c'était le voisin. Bon allez, voisin, ouais. On va vendre la zone tombe. Allez. Dans le rétro, il a dû voir du monde, il a dû faire caca. Hein. Oui. Parce que c'est ça, j'ai les mains à la radio, oui. Vagos, Vagos. Si. Venga, venga. Tu me dis. Il est tout. Vagos, Vagos, Vagos. It's ok. Vagos, Vagos, Vagos. Le digo que vagos, vagos, vagos. Is okay, vagos, vagos, vagos. Ay, 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 Lenny Johnson y la Palaxan. Y viendo los santos, mira le vagos dans le sang. C'est le boss, huele le numéro 2. Mais dans le cœur, numéro 1 pour toujours. Aha! Kim, c'est la femme de Miguel. Enfin, ami plus plus. Marié de force, après un coma. Stockholm, Boston Furus. Eddie, les bons blancs. Eddie, bras droit. Eddie, toujours là. Vagos, vagos, vagos. Okay, vagos, vagos, vagos. Yeah, the okay, vagos, vagos, vagos. It's okay, vagos, vagos, vagos. Ay, ay, ay. Inigo Montoya, Inigo Montoya, Inigo Montoya, Inigo Montoya, ya, ya. Inigo Montoya, on comprend rien à ce qu'il raconte. Psycho, 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 whack. Une pensée pour el raccoon, le plus grand des banditos. Parti, trop tôt, parti, trop tôt. Vagos, ay, ay, ay. Vagos, vagos, vagos. Yeah, the okay. Vagos, vagos, vagos. It's okay. Vagos, vagos, vagos. Ay, ay, ay. Fais mout, mout. C'est le mout, mout. T'es le mout, mout. Tout le monde a mout dans le mout, mout. Y'a même les menottes qui sont mout, mout. Dis-moi, tu veux faire un mout, mout, yo. Y'a Roy Cassini pour Vagos Record. Ay, ay, ay. Son pseudo, comme on l'a dit, en impro, il est pas mauvais. Vagos, 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 it's okay. Vagos, 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 yeah, the okay. Vagos, 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 it's okay. Vagos, 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 ay, ay, ay. Centur, ya Yoni, ya Fum, ya Dunusia. Ah, manquer cette voiture quand même. Bah, sauf si tu veux payer les impôts. Ah oui, bah oui, non. Ah oui, non.
fait. On pourrait la garder qu'aussi, une chose. Mm-hmm. On paye plus les gars. Ah, oui, bah. Ouais, je pense qu'ils seront pas d'accord. Ah, si, si, les garçons. Ouais. J'ai une solution. Et il y en a deux. Ouais, il y a deux temps de pas drift. Ouais, il y a deux temps de pas drift. Qu'est-ce qu'il y a, boss? Je peux garder la Santorno à une unique condition. À laquelle? Je vous paye plus. Eh, bonsoir. 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 Laquelle est la plus facile à conduire? La Santorno. Non, la Santorno, j'ai la 20. Hop. La Komoda. Bonsoir. Oh, monsieur. Bon, j'avais proposé à mes hommes que je garde la Santorno, mais j'arrête de les payer. Ah. Bon, ils ont dit non. Ils ont dit, voilà, voilà, vite. Vous m'étonnez. Monsieur Martin, quand vous aurez du temps, faudrait que je vous voie aussi pour parler d'un truc. Oui, monsieur. La criminalité dans cette ville, oui, moi aussi. Et bonne soirée. Bonne soirée, Mento. Bonne soirée. Du coup, je vais vous chercher l'argent. Oui. Comme ça, je vais peut-être venir à vous à la banque, comme ça je la refous à la banque direct. Je l'ai ici, et puis vous avez une banque juste en face, si vous voulez. Oui, c'est ça, on va faire ça. De toute façon, chose plus importante, il faut que j'envoie un message au BCS pour qu'il vienne. Vous pouvez pas venir hier, c'était en prison. Oui, j'ai cru vous voir passer devant assez rapidement, oui. Oui, j'ai pas pu m'arrêter. J'aurais pu, mais ça aurait été un carnage. Ah, mais tiens. Pas besoin d'envoyer de message, ils sont là. Est-ce qu'on peut signer les papiers? Parce que s'il y a Toutou dedans, c'est possible que j'y pète la gueule. Qui ça? Toutou. C'est qui, Toutou? Et c'est un du mec du BCSO. 47, je crois qu'il s'appelle. 1-47. Ça, je vais voir. Allez. Janos. S'il y a Toutou dedans, j'y pète la gueule. Une heure. Boss. Ah, nickel. Oui, quoi? Juste pour vous dire, parce que je sais pas si on va avoir le temps, sinon. Oui? Ah, c'est pas je... quelque chose de grave, oh là. Non, là, c'est pas quelque chose de grave. Non, je sors avec quelqu'un du zombie. Ah ouais? Avec une femme du zombie. C'est qui? C'est Lila. Elle arrive. C'est celle qui arrive? Mmh. Oui. Oui. Et pour Lila, félicitations, Mazel Tov. Et pour Lila, félicitations, Mazel Tov. Et pour Lila, et pour Chris, et pour Lila, et pour Chris, et pour Lila. Je vais baisser Sébastien Charles d'échange. Ah, nickel! Elle est juste derrière la voiture. Si vous voulez bien aller la voir, vous allez chercher l'argent. Ouais, pas de soucis. La Santorno, elle est en vente, j'en ai pas besoin. Je crois que les autres. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Merci. Comment ça va? J'ai compris ma voiture. Comment ça va avec Alexis? Mais nickel. Nickel! Et pour Jade, et là là, et pour Jade, oh là là, et pour Jade, oh là là, oulé! Bonjour. Bonsoir, monsieur. Il est pas là, 47? 47 ah. Non. Ah, sinon je lui aurais pété la gueule. Est-ce que je peux avoir votre permis? Alors je sais pas si j'en ai encore, c'est vrai, c'est une très grande question. Est-ce que j'ai un permis? Tant que vous étiez pas au volant du véhicule. C'est bon, j'ai encore un point de nez. Nickel. Ok. Du coup c'est bel et bien pour une vente aux zombicars? Oui, et je suis d'accord des plein gré. Hein? Parfait. Et t'es surtout des pleins pieds. Vous achetez une maison, déjà? Je valide la paperasse de mon côté. Super, ouais, merci beaucoup. Je vous donne l'argent. C'est plus simple quand c'est les BCS ou les SPD, c'est trop long. Bon, merci monsieur Martin. Je reviens juste, je fous ça à la banque pour pas rester avec ça sur moi. Juste, j'arrive. Oui. C'est vous qui avez les clés? Ah oui, si vous je donne les clés, c'est vrai. Oui, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui j'ai pas les clés, c'est ma femme, j'arrive. Bah, voilà. Je suis riche! Je suis riche! Ah, yes, d'ailleurs, go. Kim m'a dit que ce soir on fait une nuit d'amour. Et pour Kim, oulala! Et pour Kim, oulala! Et pour Miguel, oulala! Et pour Miguel, oulala! Oh là là, Miguel, mais quel homme chanceux! Je suis pas si sûr, ma chérie. Non, mais ça va, tu choisis les tenues d'automne, d'hiver et de printemps, merde. Ah, ça va. Je crois que Miguel, tu vas dormir sur la béquille ce soir. Ouais. Nickel. Merci à vous en tout cas, monsieur Martin.
Mais pas de soucis, avec plaisir. Ok, bah j'en ai pas d'autres à vendre là, mais tant mieux. Et moi j'ai une question. Oui, dis-toi. Pour les Tampas. Oui. C'est quoi, c'est le premier et le deuxième qui remportent les offres? C'est ça. Ok, ouais, y a pas de je mets 100 000 sur l'une, 100 000 sur l'autre, si jamais je remporte les deux, je dois acheter les deux. Non. Ok, je fais une offre à 110 000. Il faut m'envoyer un message. Comme ça, ça prouve que je l'ai acté. Oh putain, ça coûte toujours cher parce que c'est toujours Hermano. Ça vaut cher ça, Hermano aussi. Hermano Ah oui, il coûte cher, oui. Bienvenue, oui. Mais Jim a récupéré ton hélico, donc il va pouvoir te le payer. Ah, je lui dis qu'il me devait rien. Ah, ok. Oui. Et monsieur Martin, est-ce que vous rachetez? Oula. Non, le Camacho, je le garde. Les... Une Rebla GTS. Une Bowler. Non, les Bowler, je le garde. Les Rebla GTS. Je crois qu'elle se sent pas bien. Les ça va, Ben? Les peuvent l'acheter cher si vous voulez. Les quoi? Les TKS peuvent l'acheter cher si le Rebla GTS? Oui. Ah, je vais appeler les Aztecas alors. Bon, bah non, c'est moi, monsieur Martin, j'appelle les Aztecas. Alors, les Aztecas. Bah non. Pour vous dire, ils ont acheté celui du colloque de, ah, de Aztecas, Alexis, oui. un million en salle. Pardon? C'est pour lui qu'il y a un truc de recherche. Combien ils ont racheté? Un million en salle. Combien tu proposes, Ben? Ils l'ont racheté comme ça. Après, je sais pas si ils ont toujours. Vu que leur chef est en cavale. Ma vie? Mais ta vie m'appartient déjà? Oui, bah ma vie x2. Mais bah comment tu fais une fois deux? Bah c'est son cul, il est en train de proposer son cul, il est en train de dire si Kim elle veut pas refaire des nuits de sexe, voilà, moi tu peux rentrer dans mon cul. Voilà, moi tu peux, vas-y tu peux bourrer. Ne dis pas ça, ne dis pas ça à un homme rut. Oh là là. Courben, oui. Courben. Ben, Vichy. Ben, ça va bien se passer, j'ai la vaseline. Ben. Si je t'attrape, c'est pas ton pull que j'enlève. Je vais t'attraper, Ben. Ma femme veut plus des mois, Ben. Et on veut garder les blousons, parce que c'est des beaux Teddy. C'est bon, les Teddy. C'est bon, les Teddy, Ben. Je suis là. Chien. Aïe sous la voiture, aïe. Mais non. Mais non. Oh non. C'est le retour à l'os. Mais non. Tu le tiens encore, Ben? Je peux pas le bouger. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais recule. Mais pourquoi? Non, dans l'autre sens. C'est donc ça le prix d'un homme en rut. En plus, il y a le perso qui a encore des trucs. Les deux collègues du BCSO, elles sont parties dès qu'ils ont eu la scène. Ah bah c'est quoi? Il y a une voiture qui l'a roulé dessus entièrement et elle est restée dessus pour la bombe. Bon bah ça c'est fini. Et la patrouille qui est partie là-bas. Oh chérie. Aïe. Oh. Elles ont sûrement pas vu. Allez. De quoi? Aïe, j'ai besoin d'un petit pansement si quelqu'un a. Ah bah les SMS arrivent, Ben. Ah ouais, ah bah nickel. J'ai envoyé une voiture. Bah j'ai pas appelé les SMS, mais tu l'as fait, Ben? Ah bah non, j'avais Michel dans les mains alors. Désolé, boss, c'est pas ma faute. C'est la voiture. Et toi, ça va, Ben? T'as rien de cassé? Ah ouais, je me suis fait un peu percuter. Je me suis fait culbuter, percuter, oui. Bouger les voitures du parking, on les met des côtés des copains. Allez. Faites-vous pas écraser. Aïe. Oh, le nord, c'est quelque chose, hein, c'est pas de les couilles. Hein. Ouais. Aïe. C'est quand même pas la même patrouille qui est passée. Bon, on va rester un petit peu, juste vérifier qu'il n'y ait pas d'autres accidents, et puis après on vous laissera tranquille. Ça marche. Aïe. T'as mal quand j'appuie là? Ah bah oui, j'ai mal, oui. Et là? Ah bah oui, aussi, oui. Quand j'ai vu le Granger arriver, je savais qu'il allait avoir un drame. Vous êtes pris un Granger? Oui. Le Granger est bien resté dessus, oui. Oui, le Granger a roulé sur Miguel et moi, il m'a tamponné.
Ouais. Aïe aïe aïe. Je lui avais dit. Eh hey, chérie. J'ai pas la clé du boleur. Bah, j'en... Je sais pas qui ils sont. Est-ce que vous voulez que je prenne le relais pour le massage? Non, vous inquiétez pas. Bah, j'ai des clés. J'ai l'habitude. Ok. Ouais, même. Aïe aïe. On va même mettre un coup de clé. Même si on est à côté, tu vois, derrière la wizelette, le mec qui part, il monte, on le voit pas quoi. Je vais peut-être pousser encore un coup le scout, que ça embête pas l'ambulance. Quoique, non, il y a l'ambulance. Ouais, il y a la place quand même. Comment vous dire? Est-ce qu'on peut dire que quand il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chat? Le salaud avec son grandeur. Voilà. En même temps, vous courriez au milieu de la route, je m'attendais. Le surveiller pour savoir lequel des deux allait faire qu'il bute en premier. Ouais, bah, c'est Miguel en premier. On hein. en arriverait là et on en est arrivé là pourtant. C'est terrible, c'est affreux. Jamais ça arrive, c'est bon? Ouais, j'ai appelé, ils ont pris mon appel. Après, BCS de Paléto, ils ont un peu de temps, mais. Non. Il mettait le soleil dans la figure. Et du coup, je pense que je vais encore gagner le nombre d'ITT. Comme s'il avait un pétale hier en plus. Eh, hey, chérie. Ouais, je crois que je les entends. A priori, ouais. Ouais, c'est bon, si, c'est bon, c'est eux. Ah ouais, j'ai mal à la hanche quand même. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir. Et bonsoir. Oui. Et occupez-vous du plus blessé des bords là, le monsieur allongé, oui. Ah ouais, ici là, ouais, oui. Pas de souci. Alors. Ok. Il n'y a pas d'autres connards qui passent à toute allure, on dirait. Attention, à vous. Allez, ça va aller, monsieur. Vous allez vous relever. Comment on fait pour... Ah, c'est la brame du cerf, ça, je sais pas si vous reconnaissez les parcs. Et par contre, si je là-bas, vous pensez que c'est du braconnage ou pas? Ouh, la gueule pout nanou. Non, voilà, gagne pas d'accalou, il y a des gagnou. D'accalou 7, d'accalou 7. Non, pas d'accalou. C'est une question, c'est une question. Ouga. Oui, bah oui, je cale la tête. Ouga, trop de cul. Ouga, go. Ouga, la courir, ouga, la trop de cul. Oula, bam bam. Ouga, la non, ouga, la non, ouga, la non, rature. Oh, pop, 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 boum, boum. Ouais, d'accord. Je vais vous traduire, en fait, il y a un grandeur qui nous a renversé. Bagou ils le poursuivaient pour pouvoir le refaire et une voiture est passée, les a percutés, ils a culbuté. Voilà, on s'est fait culbuter par grandeur tous les deux, ouais. Oui. Bon, alors moi, je m'en suis un peu mieux sorti, ouais. Ok. J'ai un peu mal à la hanche quand même, mais. Ouais.
Attends, occupe-toi de monsieur de droite, venez avec moi. Oui, bah oui. Alors, je vais vous demander votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Naga la poutre! Charles Collins, ça fait mal. Naga où? Mais ça a l'air d'aller voir. Ouais, ça va plus loin, j'ai dit. Ouais, ça va. Naga la poutre, naga! Mais naga où? Naga! 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 Je pourrais faire. Naga! Les yeux, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous pouvez m'indiquer son nom, s'il vous plaît. Naga la poutre, Collins! Ah, je suis vraiment désolé de rigoler. Vous avez besoin d'un traducteur, ouais, Doc. Ouais, je crois. Ouais. Pas que d'un traducteur. Ouais. Alors... Non, ouais, ça va, je. Ouais. Je sais pas. Alors. Ok. Ah, ouais, quand même. D'accord. Okay. Ouais, ouais, il essayait de m'attraper. Et y a est-ce que qui nous a vous avez des. Où est-ce que sont localisées vos passé douleurs en dessous et moi. Ok. Ça me rappelle un dessin animé. Selon le bruit, je dirais le cul, mais. Il a mal au cul, tu parles. D'accord. Non, Les jambes. Ah, c'est les jambes. C'est les jambes, d'accord. Elle a mal aux jambes. Nawak. On va aller bosser. Vous pouvez faire un truc à la tête aussi, s'il vous plaît, voir s'il n'y a pas... Nawak. La tête aussi. Ah, Nawak. Et les jambes. Ah, d'accord. Alors, ok, ouais. Et si tu veux une trace de coupe. Et sur une échelle de 1 à, une échelle de 1 à 10, vous avez mal... Ah ouais, mais là, ouais. On n'a pas encore le code pour l'échelle de 1 à 10, là. Plus de 5, Thierry. On va aller chercher de la coupe. Plus de 5. Plus de 5. Plus de 7. Plus de 7. Nawak. Plus de 8, 9. Ah. Plus de 8. 8. 7 et demi. Nawak. Ouais, c'est ce que je pensais. Chop, mouillis. Alors. Jambes gauche et droite. Ah. Donc, ouais, donc les deux, quoi. Ouais. La jambe gauche. Pnut. Pnut ou Nawak? Nawak. Qu'est-ce que. Ça se complexifie là. Oui. Pnut. Ah, c'est la colline. Ouais. Alors. Il descend de la montagne en fauteuil. Marie, je vais chercher un brancard de toi. On est d'accord. J'en ai plus un lapin pour faire des sandwichs. Du coup, à coup de Knut et Pnut, on va pas réussir à trouver son nom. Donc, est-ce que vous connaissez cette personne? Charles Cosny, c'est mon mari. Ok, très bien. Quoi? Prenez pour les thérapies de couple. Faudrait demander au pôle psy, je sais pas, je vous avoue. Hop. Ok. Ouais, mais monsieur, on va vous emmener. Hein. Ah, ça sent le fauteuil roulant, ça, non, docteur? Nut. On peut pas déterminer. Il y a des chances. Ouais, promis, boss, je te pousserai avec le fauteuil. Ah. T'inquiète, on ira faire une petite balade. J'ai pas compris pourquoi il voulait. Brancher une petite perfusion d'oxycodone, voilà pour la douleur.
Voilà. Allez, c'est parti. Parti. Alors, Lily et Marius retour BCS, BCES avec un patient. Ouais. Bien fait. Tu peux même préciser qu'on va avoir besoin de la salle d'opé. Et on va avoir besoin de la salle d'opération. Nabout pouta. Comment vous allez, monsieur Collins? D'accord. D'accord. J'espère que l'oxycodone va faire effet un peu parce que. J'espère aussi. Ah. Ouais. J'espère. Ouais, niveau essence, j'espère qu'on sera bon aussi. Ah, j'ai un. Ouais. Oh là là. J'ai un. Fais attention à la voiture devant. Ouais. Est-ce que vous avez toujours mal à la tête, monsieur Collins? Alors, du coup, je sais pas si l'absence de réponse c'est un non ou si. Vous nous entendez ou pas? Ok. quand t'as quelqu'un qui a mal à la tête, quand t'es en retour vers l'hôpital, hésite pas à lui parler constamment pour être sûr qu'il perde pas connaissance vu que t'es au volant et que si t'es tout seul. Ouais, ce que j'aurais pu faire, c'est monter à l'arrière. Ouais, pour le cas où. Ouais. Ah. Ah non. Normalement, ne faites pas ça! Tu veux que je fasse pas ça? Ouais, arrête ça sur le côté, je vais monter à l'arrière. Ok. Monsieur Collins, il faut se réveiller. Ah! Demain la bonne poutre! Demain la bonne poutre! Est-ce que. Vous avez passé une bonne journée? Dégueule! Vous avez beaucoup dormi, d'accord, ça marche. Et qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner alors en vous réveillant? Ok. C'est pas bien, il faut manger, au petit déjeuner, c'est important, c'est le repas le plus important de la journée, vous savez. Ah oui, mais même si jamais vous arrivez rien à avaler, il faut essayer quand même, c'est important. Parce que là après, oui. Pitié. Et sinon, comment vous vous sentez en ce moment? En ce moment, dans la vie, je veux dire, pas après l'accident que vous venez d'avoir. Comment ça va? Ça a l'air de plutôt être d'aller, écoutez, pour vous, visiblement. Ok. Pas trop d'ennui avec le Speedy, avec le BCSO, ça va? Ouais. C'est vous qui vouliez taper votre collègue, c'est ça? Qu'est-ce qu'il avait fait exactement? Racontez-moi. Non, regarde, sodomie. Effectivement. C'est vrai que dit comme ça, tout de suite, c'est beaucoup plus clair, oui. C'est compréhensible. C'est compréhensible. D'où la thérapie de couple, oui, je comprends mieux, oui. Ah. Tu te mets devant, tu te mets sur la première place. Ouais. Ne cherche pas à aller derrière. Ouais. Nickel. Hop. Oh merde. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et je vais fermer l'ambulance, t'inquiète. J'en mets.
pas. J'ai juste aller voir Ricardo deux secondes. Je te laisse installer le patient, tu branches les perfs, tout ça, tout ça. Ok. Votre bas, voilà, de vous allonger aussi, impeccable. Voilà. Câble, votre pantalon, je peux vous aider si toutefois vos chaussures aussi, ce serait bien. Mais... impeccable. Je vous laisse vous allonger. Je vais vous mettre. Je vais vous remettre des perfusions. Des anti... ah merde. Ok. Alors, il avait dit qu'il avait mal au bras, je crois, ça. Non, justement, pas les bras. Ah, d'accord, aux jambes. La tête et les deux jambes. Ok. Est-ce que vous avez encore mal, monsieur Collins, ou ça va? Non, écoutez. Ah. Ah. Vous reparlez de nouveau. C'est un bon signe, c'est une bonne chose. Ouais, peut-être un... ok. Et vous avez mal à quelle jambe? La gauche ou la droite? C'était les deux tout à l'heure. Ah, c'était les deux, d'accord. C'était tout à l'heure, mais tu peux essayer de préciser peut-être. D'accord. Si tu veux. Ce serait plus la gauche. Non. Non, de préciser. Préciser sur la jambe, je veux dire. Ah, sur... ah oui. Oui. je suis fatigué. Vous avez mal. Comment? Enfin, mince. Plutôt au milieu, à droite, enfin en haut, en bas, au pied. Oublie pas, des questions par oui ou par non. Ouais, alors, est-ce que vous avez mal au pied? Vous allez me répondre par oui ou par non, si c'est possible. Ah. Je pense que c'est vrai. Que ça veut dire oui. Ouais. Et ouais, c'est compliqué. Et sur le jeu stratégique, les genoux, le bassin. Est-ce que vous avez mal au bassin? Vous me répondez par oui ou par non? Oh. Ouais. C'est délicat, quoi. Ouais, je pense que les radios vont nous en dire plus. Ouais, Marius, je vais faire ça. Alors, hop, ouais. Les médecins, ils sont tellement en mode. Sur la tête et la communication. Faire d'enculer. Ah ouais. Coup dur. Ouais. Oui, c'est le cas de dire, oui. C'est délicat. Je l'entendais dans mon bureau, oui, c'est pour ça, oui. Ah. Ah, d'accord. C'est. Bon. Je fais la radio. Et. Oui, faites une écho en plus. Hein. Oui, je pense une. Ouais. Alors. Hop, ça va être un petit peu. C'est un petit peu froid, monsieur. Ouais, je vais arriver un petit peu froid. Voilà. Et qui est, monsieur? Je vais appliquer la machine. Voilà. Et... vous lui avez pas donné de morphine, hein? Ah non. De l'oxycodone. Parfait. Oh, on balance, ouais. Voilà. Hop, impeccable. Alors, on voit peut-être les résultats. Oui. Monsieur Collins, si jamais vous sentez que vous je avez reste un petit là, peu chaud, envie de vomir, radios, etc. Ouais, ça marche. Vous êtes avec moi, monsieur Collins? Ça va pas aller, hein. Ah si, vous êtes là. Ok. Comment vous sentez-vous? Ah ouais, quand même. Mmh. On va regarder tout ça.
Vous avez pas mal au moins avec ce qu'on vous a donné. Oui, oui, oui. Non, ça, nickel, ravi de l'entendre. Mettre du temps pour lire la radio, je reviens. Et les médecins ne reviennent pas. Ils ont dit trop compliqué. Laissons-le dans sa merde. Laissons-le dans son emmerdement définitif. Fin. Quelle bonne nouvelle. Que du bonheur. Alors, monsieur Collins, on va devoir vous opérer. Est-ce que... Parce que vous avez un hématome au niveau de la tête, donc il faut qu'on agisse vite et qu'on vous le ponctionne rapidement. Faites du bruit si jamais vous avez compris ce que j'ai dit. Ok, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous endormir tout doucement, vous n'allez rien sentir, et quand vous vous réveillerez, vous serez comme neuf, et normalement, vous pourrez nous reparler à nouveau. Donc, on va faire tout ça, on va vous anesthésier. Mmh. Marius, je te laisse poser juste le masque sur la tête de monsieur Collins. Alors, respirez tranquillement, monsieur Collins, tout va bien se passer. Alors, normalement, il devrait. Ok, nickel. Et après, t'as juste à allumer la machine. Allez. Mettre le gaz en route. Hop. Voilà, c'est nickel. Parti. Et alors, le décompte de 10... Parlez, monsieur Collins, parlez. Racontez-moi votre repas, votre meilleur repas. Quand est-ce que vous... Le meilleur repas que vous avez jamais mangé. Ah ouais, moi je suis pas fan de ça. Ouais. Non, ouais, pas non plus. Ah. Voilà, nickel. Allez, test oculaire, test auditif et test du pincement pour voir s'il est bien endormi. Alors, je vais le pincer. Réaction. Pas de réaction au niveau de l'oreille. Et la petite loupiote dans les yeux. Pas de réaction pupillaire. Et ben on est parti alors. On va pouvoir mettre en place le changement. Pardon, je te laisse faire les lits, excuse-moi. Oui. Moi juste d'abord, je vais mettre l'écho d'avance. Donc ouais, on met un champ stérile autour de la tête de la personne. Là, à l'endroit où c'est, il n'y a pas trop de cheveux, mais... On peut raser la petite zone. Ouais, j'espère qu'il ne me voudra pas. C'est un tout petit peu, ça repousser des cheveux. On rase pas tout, hein. Bon, c'est délicat après, ouais. Non, ça arrive qu'on rase tout, hein, cela dit. Du coup, j'incise
Ouais, je crois que t'as là, été j'ai... un peu trop loin avec le rasoir, là t'as tout rasé, oui. Ah oh. Bah non. Ah non, non, je l'ai pas vu. Ah, bon. Bon, bah tu lui expliqueras après. On dira que c'est de ma faute, c'est pas grave. Ouais, j'avais pas rasé autant. Ouais, je suis interne, ça passe. Très bien, ok. Et du coup, Marius, je vais juste te laisser préparer oui. l'aspiration, ah, parce ouais. que là, okay. ça peut commencer à saigner un petit peu. Hop, allez, donc, c'est bon. Nickel. Du coup, j'allume. Je vais inciser sur 3 petits centimètres. Hop, ok, il y a déjà du sang qui coule. Ouais, donc, c'est bon, approche j'aspire. Bien l'aspiration au niveau de l'incision. Ouais, c'est bon. Mon scalpel. Hop. Ok, je contrôle en même temps à l'écho. Ça se vide. Ah oui. Là, t'as juste incisé le cuir chevelu pour l'instant. C'était épidural ou sous-dural l'hématome ? C'était épidural. Ah oui, d'accord, ok. J'ai rien dit. Ce qui est. Étrange pour le côté langage d'ailleurs, maintenant oui, que j'y pense. Oui, ça a peut-être tapé un peu. Un trauma crânien plus important. Je sais pas, bon, moi je l'ai vu en épidural. Laisse-moi regarder ça. Oui, il y a un trauma crânien, mais il y a bien un hématome épidural. Bon, c'est le trauma crânien qui explique le souci de langage. Ça devrait. Après la bonne sieste, il devrait se sentir mieux. Ok. Ok, il n'y a plus de sang. Du coup. Là, je peux. Ouais. Un petit coup de rinçage et puis tu refermes pour pas qu'il y ait de cailloux ouais. à se développer. Oui, j'ai pas besoin de cautériser quoi que ce soit. À non, cette bah, c'est pour ça qu'on fait le rinçage, c'est pour voir si la vasoconstriction, enfin si en gros la veine s'est arrêtée de saigner ou pas. Donc tu D'accord. rinces bien, tu vois okay. si ça continue à couler. Si ça continue à couler, effectivement, tu cautérises hein, le vaisseau. Si ça coule plus, bah, tu refermes en l'état. Ah, ça continue de couler. Et ben, tu vas prendre le petit cautériseur et tu vas juste, hop, tu vois, okay. c'est cette veine-là qui continue à fuir. Donc tu cautérises juste au niveau du petit trou et ça devrait être tout bon. Ok. Voilà, parfait. Okay. Et on re-rince, à l'eau désoxygénée, on voit si ça coule. Ça coule plus, tu peux refermer. Ok. Hop. C'est toujours délicat la peau de la tête. Mmh. Hop. Dites-vous que s'il y a des soucis d'ordre neurologique, c'est souvent que les lésions sont internes, en dessous de la boîte crânienne. Donc là, on a le trauma crânien, donc ça va. Mais ça aurait pas pu être que l'hématome épidural qui aurait créé ces troubles. Ok. Ok, ok. Hop, je vais mettre une compresse, un bandage. On entend toute la tête là. Oui. Oui. Hop. Nickel. Vous aviez des fractures à soigner aussi ? Normalement, oui. Ouais. À la jambe. Le fémur gauche. Fémur gauche et au okay. droit, tu m'avais dit, tu avais une fêlure au tibia. Ouais, une fêlure au tibia. Donc c'est bon. Ah. Elle est importante la fêlure ? Je regarde. Non. Bon, bah, en soi, on peut la laisser en état, ça sert à rien de mettre une attelle. Et puis, ouais. la fracture fémur gauche, elle est pas déplacée, c'est ce que j'ai entendu. Non, en non, ouais, elle est propre. Donc, on plâtera en l'état, et puis, let's go. Ok. Chercher la chaussette. Très bien, ton intervention, Lily, pas de soucis. Alors, j'en. Mais du coup, je suis. Ouais, ça m'étonne un peu pour le coup du langage. Gauche, le trauma crânien, clairement. Ouais. C'est peut-être complètement le cas. Fatigue tout seul. Il a été bien sonné, ça a changé quelques trucs. On va voir comment il est au réveil. S'il y a encore des trucs au réveil, on envisagera une seconde opération pour voir s'il n'y a pas des trucs à être trifouillés à l'intérieur. C'est parti pour faire un joli plâtre. Et en soi, après la bonne sieste, l'opération de l'épidural, ça devrait être bien. Il devrait être bien à son réveil. Ok. Hop, plâtre terminé. L'autre côté, on met quoi une petite attelle ou pas? Non, pas nécessairement l'attelle, c'est une petite fêlure. Okay. Faut lui dire de se préserver des chocs au tibia, mais en soi, okay. l'attelle n'aidera pas grand-chose. Ok.
Vu qu'elle est au milieu du tibia, en plus, c'est pas près d'une articulation, il n'y a pas de souci. Okay. Mais de toute façon, ça sera fauteuil roulant, non? Parce que sinon, il risque de trop mobiliser le tibia. Mettez-lui une talonnette sur son plâtre, il prendra une canne et puis ça sera bon. D'accord. Ok. Et du coup, Marius... Ouais. Je te laisse estimer pour le temps de repos et compagnie. Eh ben... J'aurais dit 4 heures. 4 bonnes heures, ouais. Ouais. Sachant comment que... c'est arrivé dans quel cadre? Ils ont traversé la route avec un collègue et ils se sont fait renverser par une voiture. Yep. Il y en a un qui est plus mal que l'autre. 4 heures, ils ok, oui. Ouais. Non. C'était ça. Ok. On va l'emmener en salle de réveil, tranquillement. Ouais. Pas de soucis, je fais ça. Hop. Ma tété. Vous l'avez relevé du coup, hein? Oui. Ouais, ok. Oui. Mais il fallait pas bouger. Allez. Oui, bon, ça marche aussi. Hop. Oui. Allez, on va le porter pour le transférer sur le brancard. Je vais le transférer. Hop. Voilà. Oh, installé. Hop. Hop, je vais brancher les perfusions. Voilà, hop. Je mets quoi? Bah, façon oxycodone. Qui est anti-inflammatoire, ouais, anti-douleur, voilà. Et des antibiotiques vu qu'on l'a opéré. Ouais, antibiotiques. Pour éviter les infections. Et t'oublies pas le liquide de réveil, parce que sinon il va pas se réveiller tout seul. Ouais, tout à fait. Et anti-douleur. Hop, liquide de réveil. Et normalement on aura un message de prise dès qu'il se réveille. Et voilà, impeccable. Bon bah il y a plus d'ici que 5 minutes. Voilà. Oh oui. Oh, on a plus de cheveux. On est en voiture en fauteuil. Putain, c'est la merde. On est foutu. C'est la merde. Je suis où, la dame de Dieu? Je suis où? Ah non, c'est un hôpital, ça. Comment vous sentez-vous? Monsieur Collins. Oui, c'est un hôpital, ça. C'est une connerie, non? Oui, ouais. Tout ah à non, fait. Pas de tétés, j'ai rien fait. C'est pas moi, je suis pas tombé. Ah. Ah. Bah, bon, bah pour les ITT, malheureusement, ça va être un petit peu obligatoire. Comment ça? Vous êtes fait renverser par une voiture, monsieur. Oh non, merde. Et ouais, vous avez donc une fracture au fémur à la jambe gauche. Oh non, non. Voilà, donc on a été obligé de vous plâtrer. Ensuite, vous avez eu un hématome au crâne.
avec un beau traumatisme crânien. Et aussi au niveau de la jambe droite, vous avez une petite fêlure au tibia. Ah oui, c'est la merde quoi. Oui, enfin non. C'est pour l'instant, on va dire que c'est un petit peu délicat, mais. Mais ça, c'est plus que délicat, c'est la merde. C'est la chiasse. Après... Je suis pas dans un bon état, non? Si. Bah après, il faut juste. Si. Non, mais fais quoi quand même, non? Oui, non, mais faut juste un petit peu de temps de comment? Pour que vous rétablissiez. Après, ça ira bien. Hein. Si tout s'est bien passé, chez Pauline, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je suis quand même chungé, non? Oh, donc ça, je peux rentrer chez moi, c'est bon? Oui, ils vont juste finir les soins, vous faire les petits briefs et puis voilà. Ça sera tout bon. Bon, j'ai la jambe pétée. Vous avez la jambe pétée, vous avez eu un bel hématome au niveau du crâne. Hématome du crâne, oui. Donc, on va vous demander de pas conduire, pas courir, pas sauter et pas porter de charge lourde là pendant les 4 prochaines heures. Et puis, on verra dans 4 heures comment ça évolue, d'accord? Oui, vous me dites, allez-vous coucher, c'est bien. En gros, non, en vous gros pouvez aussi, vous faire balader par vos heures, par exemple. En gros, va te coucher, oui. Une petite balade en montagne. Oui, un suppôt et au lit. Le suppôt, c'est même un indispensable, je pense. Ouais. Et nickel. Voilà, et on va vous laisser vous relever tout doucement. Voilà, vous allez pouvoir vous rhabiller, monsieur. Je crois qu'ils ont oublié de vous préciser aussi, pour opérer votre tête, on a dû raser un peu vos cheveux, oui. Ah non. Si, malheureusement. Mais non, une glace? Comment? Vous avez une glace? Oui, va chercher une glace, Marius. Ouais. Attends, je vais trouver, c'est plus simple. Ah oui, sinon vous faites un selfie, oui. Avec le thé, ouais. Ah non. Ah non. Je suis désolé, on était obligé, oui. Ma bite, oui. Ah. Oh putain de merde, je ressens ma bile. Ah, c'est vrai que maintenant que vous le dites, il y a quelque chose. Ouais. Hop, et voilà. Et on va juste vous faire votre ordonnance avec les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Hop. C'est le chef qui donne. Et pour la fracture, on va mettre quelques anticoagulants. Voilà. J'ai une question, voilà, mais pour vous, monsieur, est-ce Collins. Que les bleus foncés, les bleus clairs, vous faites la tête? Ah non, monsieur, pourquoi? Et non, parce que j'ai les bleus foncés dans un coin, les bleus clairs dans l'autre. Ils sont punis, je les ai punis. ils sont au coin, ouais, c'est... C'est la guerre, c'est la guerre des clans. Donc ici. Je marche avec le plat tranquille beaucoup. Ouais, voilà. Tranquillou, si vous pouvez prendre une canne, ça sera mieux pour moins forcer sur votre jambe droite. Je reviens dans 4-5 heures. Dans 4 heures. Ouais, 4-5 heures. Oui. Parce que je dors, peut-être je reviens dans 7. Oui, ou dans 8, si vous voulez. Et je reviens dans 8. Tant que vous revenez dans plus de 4 heures, is ok pour nous. Et je reviens dans 9. 9 is ok aussi, on sera ouvert. Et je reviens dans 10. 10, c'est notre petit moment de creux, oui. Ah, voilà. Voilà. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir. Ah, voilà, on vous les cheveux. Oui. Ouais, c'est... Ouais. Ben, tu vas vraiment te faire sodomiser, parce que là, ma femme, elle est pas prête de jouer avec moi. Ah, bah écoute, je me sacrifie pour la bonne cause. Mais hein. Où ma femme? Elle est dehors. Elle est dehors, on va lui faire la surprise. Cachez-moi. Oui. Merci docteur, à bientôt, au revoir. Prenez soin de vous, monsieur Collins. Hein. Au revoir. Je peux pas sauter, je peux pas courir et je peux pas marcher, je peux pas... Si je peux marcher. Combien de temps? 4 heures. Oh, l'enfer. Elle est où? Pas là, non? Elle est où? Mais non. Bah. L'autre. Et à droite. Chérie. Eh, ça pue le cul, cette histoire. Elle est où, chérie? Elle est... Oui. J'ai vu chérie, oui. Ça va?
Non, je viens de coucher. Je suis bilaps, c'est... Les retours, c'est moi. Ah bah là, chérie, c'est pas à cause de moi qu'on va pas faire de sexe, hein. Je suis désolée, hein. Mais si on met une perruque... Tu vas mettre une perruque? Non. Pas que la tienne, Kim. Oh, ça lui irait bien, remarque. Ah, y'a moyen, hein. Tu veux qu'on aille ici? Comme la mienne, ouais. Je sais pas si tu vas trouver, mais... Ouais. De toute façon, je peux plus marcher, je peux... Je peux pas le fermer, tu sais quoi? Pauliane? Appelé. Oh. De quoi? Ah non, Kim, elle a déjà sorti, oui. Non, je vais pas, frapper, je vais pas te frapper, Nicole. Ah, mais non, mais moi, pas lui. Ah, mais Ben. Oui, Ben, pas... Oh. Ah oui, bah, je suis au milieu, pas les coups de bouton, pas les coups de bouton. Pas la tête. Attention. Bon, donc, je peux plus marcher, je peux plus courir, je peux plus porter, je peux pas conduire. Je peux pas pendant 4 heures. Oh l'enfer. Je peux rien faire. Il m'a dit... Ils t'ont donné quelque chose? Oui, il m'a dit, va te coucher. Ah ouais. Tu veux une canne, chérie? Hein? Ah oui, Milo il vient de se raser. Ah oui, Milo, c'est ma coupe. Ah mais oui. Oh non, Milo, il a arrêté. Milo. On devrait tous faire pareil. Milo, c'est une... Il était où les coiffeurs, Milo? Il est juste derrière. Tu il es est juste tout droit là-bas. Tu es les meilleurs, Milo. Toi, tu es un vrai. Les autres, ils feraient pas ça pour moi, tu vois. Toi, tu es une vraie famille. Une seule, unique. Chris, il a pas besoin, c'est déjà fait. Chris, tu es le seul, unique, les vraies familles. Nous allons monter. On verra, boss, on s'habitue. Les gangs des crèmes d'œufs. On dirait des duplos, là. On dirait des duplos. On dirait des topiqueurs. C'est Rouliane, c'est pas moi. Oh, Ben. Voilà. Ben. C'est pas moi, oui. Va raser tes cheveux, dépêche-toi. D'accord. T'en repousses vite, t'inquiète. Oh oui, ça va être marrant. Une connerie. Je l'ai jamais vu encore. Yeah, c'est quoi, c'est quoi? Je vais pas les faire jader à ma femme, parce que c'est trop compliqué. On va voir qui c'est qui ressemble à un topiqueur, oui. Topiqueur. Pas rafraîchi, en tout cas. Je suis bien content de m'ouvrir en attendant. J'aurais toujours mon chapeau ici. Oh, c'est Aaron. Oh la vache. Au piqueur. Alan a envie de faire une blague sur les topiqueurs? Je dis boss, Rolien en a fait une, hein, donc... Oui. Rolien? T'as fait une blague sur les topiqueurs? Ouais. Moi j'ai rigolé, mais... Oui, t'as rigolé. Rolien? Sois solidaire, va couper les cheveux. On attend Rolien. Allez. Je sais pas faire ça, Hannibal, il est une crête. Ne touche pas la crête. Alan? Oui? T'as envie de faire une blague sur les topiqueurs? Non. N'hésite pas, fais les blagues sur les topiqueurs. T'inquiète. Vas-y, lâche-toi. Ah, j'ai pas de blague du tout. T'as pas des blagues? Alors comme ça, on n'a pas des blagues! Ah. Alan? Oui? Va raser les cheveux vu que t'as pas des blagues. Ça va, Hannibal? Oui. Tellement que je fasse une blague sur les topiqueurs. Et Rolien, il revient plus vite qu'Alan. Ah bah, il est parti avant. Ouais, mais il a mis sa casquette. Tu peux voir Rolien sur la casquette? Non, ça me dérange pas donc. Topiqueur? Topiqueur. Ah, voilà Alan. Oh non, c'est Tuc. Oh! Mais c'est qui là qui crache? Niveau sosie bilups. Moi j'avais déjà fait à la mettre, moi. Oh merde. C'est vrai, oui. Désolé, Hannibal. Qui veut emmener Hannibal? Ça va, Hannibal? Ouais. Et tu sais, boss, j'ai pas besoin de faire une blague sur les topiqueurs. Si tu veux que j'aille me raser les cheveux, tu me dis de me raser les cheveux, je le fais. Hannibal, va raser les cheveux. Et j'y reviens. Je m'en veux déjà. Heureusement qu'il y a pas Pablo. Oh, on va raser Pablo. Oh. Ah,
Non, enfin. Non, peut-être pas, non. Il faut arriver à l'attraper, monsieur Miguel. Qui, Pablo ? Oui, je suis pas sûr qu'il y aille de son plein gré. Je suis sûr qu'avec un lasso. Ah oui, peut-être avec un lasso. C'est très bien les lassos. Alors, je suis pas. Ouais, non. Je suis pas spécialiste en lasso, non. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, on peut faire les 7 boules de cristal ? La main d'or ? Rien à voir. Ça m'empêche pas, je peux faire la trompette. On va être content, les balles, quand tu vas nous arriver là. Ouais, ils vont pas nous reconnaître. Ouais. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt. Attendez, il y a Hannibal. Je suis pas prêt pour ça. De dos, tu confonds Ben et Chris 100%. Hannibal, ça va tellement faire mal. Non. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Hannibal. Le problème, c'est que les cheveux, c'est le seul truc qui me rendait un peu gentil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Oh non, Hannibal, tes beaux cheveux! On croyait pas des perruques, mais bientôt. Je propose qu'on se renomme la Maneuf. Ah, Jade. Oh, joli! Oui? Ça va, Jade? Je veux! Jade? Si vous voulez, on peut aller faire la même coupe qu'avec Hannibal, on peut se mettre des crêtes avec Kim. Enfin. Alors là, c'est non. Alors là, faut peut-être pas abuser. Désolé. C'est bon, au bout d'un moment. J'ai essayé, je suis désolé. Ah ouais, non, faut peut-être pas abuser. Non. Non, chérie, tente même pas, c'est non. Eh, mais t'es un faux crâne, hein. C'est non. J'ai deux possibilités. Soit on rentre. Et bra. Soit les cheveux. Si je retire mes lunettes, on me reconnaît pas, je crois. Vraiment ? Fais pas ça. Non, ouais. Choisis pas les cheveux, chérie. Ne fais pas ça. Vraiment ? Tu me fais choisir entre les tenues et toi. Je te fais choisir entre les culs et les cheveux. Pourquoi les tenues, qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais bien pouvoir ouvrir mon Bombers. Ah, et bien, nous aussi. Tu choisis le cul, c'est bien. C'est la réponse D, surtout que je choisis. Non, j'ai pas d'autre possibilité. Ah bah si, c'est la réponse D. Les chichis ou les cheveux? Mais non, mais tu ressembles à Bilote, chérie. Ou tu fermeras les yeux. Quoi? Tu diras, oh, mon Bilote, c'est mon Bilote des îles. Et bah si je me rase la tête, tu fermeras les yeux aussi. Ne fais pas ça. Ah bah, ça va, chérie. Il va ressembler à Ben, Milo, Hannibal, le Roulian, Alan et Chris. Let's go! T'as l'impression de ken tout le monde. Trop bien. Je vais vraiment. Je vais tout le remettre. Bah, préparez votre cul, les gars. Je me dirige vers les voitures, là. C'est pas là, chérie. C'est derrière là-bas. Ah oui. Attention à l'ambulance, parce que... Ah, vous allez chercher ta voiture, ça vous aidera de... Non ? Ah non, c'est bon, je gère. De bande de chevaux, quoi. Mais moi, je reste avec toi, boss, eux, ils avancent. C'est bon. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien ? Vous faites quoi de la vie ? Vous êtes qui ? Moi je suis SHMS, monsieur. SHMS. C'est les bûcherons. Les bûcherons, ouais. Oui. Vous allez faire quelque chose pour vous, monsieur. Vous allez en face au coiffeur et vous rasez les cheveux. Alors, c'est où le coiffeur ? Attendez, faut juste que je vous emmène. Allez-y, vous emmène. Ok, vous inquiétez pas. Allez-y, Ben. Tout va bien se passer. Allez, venez avec moi. Je pourrais quand même aller faire mon don de sang juste après. Oui, après, oui, vous pouvez. Sang, allez-y, venez. D'accord. Et je vous aussi. Allez, bah courez, hein. D'accord. Attention à la patrouille. Faut peut-être les raser ou sinon. Ça, alors, j'aime bien ça. Quel sens du terme, les raser, les écraser. Oh, les deux. Ou vraiment leur passer la tondeuse. Pourquoi ils courent après Ben? Et j'ai demandé gentiment, ils vont essayer de quoi faire, se raser.
Tu as demandé à des gars qu'on connaît, hop. Oui. Bien entendu. Il savait qui j'étais pas à moi. Non mais vraiment. Bienvenue à l'OC. L'OC chevauché. J'ai même pas eu besoin de lui dire que je l'ai buté. Bienvenue à l'OC Calvecito C. Ça me perturbe d'avoir pas de cheveux déjà donc. Il paraît que ça repousse. Ah, j'espère. Bah c'est les cheveux quoi, ça repousse oui. Et voilà boss. Et impeccable. Voilà, monsieur. Bonne soirée, bonne dent du sein. Merci, bonne soirée à vous. Aussi. Bonne soirée à vous. Tu vois, quand tu demandes gentiment les choses aux gens, ça passe bien. Bah oui. Et puis, par solidarité, il a dit, alors... Je sais pas s'il faut pas que j'aille me coucher, là, quand même. À 4h, ouais, je pense que tu ferais mieux d'aller de dodo, ça oui. Va être long, mais il a dit... Et comme si les jambes cassées... Ouais, beaucoup, mais... Les crâniens, c'est... les ouais. Torses, les culs, les... Ah tout, ouais. Et après, on est tout pété, bonhomme. Ouais, bah, en même temps, tu t'es fait rouler dessus par un ranger, boss. Oui. Je pense que ça va être retour maison. Ouais, ok. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant 4 heures? Ouais, bah, ouais, tu peux rien je faire. Je veux bien, mais à un moment donné, ouais, ouais. Même si tu m'emmènes et on n'est pas prêt d'aller quelque part, non? Ouais, ouais, bah, on est trop d'accord. C'est le chien, l'envoyer à Bill absent. Quelle voiture je vais? Tu montes dans le Granger là, monte dans celui-là, dans le bowler. Alan vient d'avoir une idée de génie. C'est quoi? T'as des idées comme ça, ils vont pas la dire. Bah, si, c'est la meilleure idée en fait. La pire idée. Le nouveau gang à Los Santos, mais avec Bill absent. Et du coup, il faut ramener la bonne, Miguel la à la maison. Oui, il parce va que bouger, pendant 4 heures comme ça, je suis pas voilà, prêt d'y il, faire il quelque va chose. Se coucher, du coup. Voilà, voilà. Donc on le ramène à la villa. Allez. Et c'est Los Bilops. Los Bilops. Le Bilops. Allô? Ouais, pour les changements de temps là, qu'on a eu avec les ballasses. Ah, vous, vous... ah oui. Et... C'est passé maintenant, nous les reprennent 50, pour le PM on fait 30. Oui, c'est bien. 30, c'est bien, comme ça ils peuvent continuer à. Oh, oui, c'est bien. Malgré. Ok, ça marche. Ça marche, non, c'est tout. Ok, voilà, c'est voilà. Tout. J'ai capté mieux parce que j'ai une antenne. Grosse antenne, oui. Chérie, t'es dans une voiture avec moi ou... Bah oui, chérie. Ah oui, putain, j'ai dit, j'ai capté ma femme aussi d'une voiture à l'autre, c'est un truc des fous, mais pas bah du oui, tout. Bah non, quand même pas. Oh la vache, bisous, Hannibal. Eh, bisous. C'est que tu veux que je fasse pendant les 4 prochaines heures? Vous vouliez pas avoir les ballasses aussi, boss? Pour les tarifs? Bah oui, mais. Le truc, c'est que là, je veux bien essayer d'avoir les ballasses, mais. C'est un peu compliqué, non? Ouais, c'est pas faux. Les ballasses, c'est pas les pires parce que les je vais valider ça avec Hannibal. C'est les Aztecas, sauf qu'on trouve une solution. Quitte à leur taper dessus. Pour le coup, ouais, 40% ça fait mal. Je sais pas combien vont faire les. Mais vont pas bosser avec les Aztecas et puis c'est tout. Les ballasses, mais. Non, mais 40%, faut pas déconner. À 30, je l'entends, mais à 40, faut arrêter les conneries. Bah on n'est pas des petites mains quoi. Bah au-delà, tu vois, il faut un peu de respect quoi. Normalement on est aux alentours de 20%. Déjà à 20% ils se gavaient. J'ai presque envie de l'enfoncer au vu de la police. T'as besoin d'un truc chez nous ou pas là? Il faudrait... Ouais, mais je vais attendre que tu viennes récupérer. Il faudrait qu'on arrive à faire une soirée avec Elana et Julian. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça marche. Ça marche. À toute. Probablement demain soir, je pense que ça peut être faisable, boss. Bah oui, si on arrive à voir tout le monde, ça pourrait permettre d'aller passer peut-être des officiels, entre guillemets. Je sais pas ce que tout le monde en pense, mais ça a l'air d'aller, non? Bah je sais pas, quand Pablo a demandé, il y a Alain qui a dit que dernièrement il voyait pas trop Julian. Moi je peux pas donner mon avis, j'ai pas été là pendant 15 jours, donc...
Bah, pour ce, sur ce point-là, moi, je rejoins Alan. Elana est extrêmement présente. Roulian oui, était absent. Avant que vous alliez vous coucher, est-ce que vous pouvez nous redonner un nouveau prix pour les reprises d'Elias pour les PM? Déjà fait. J'ai fait Hannibal. Ah bon? Oui. Ah ben, je sais pas quoi. Voilà, c'est simplement, on était en train de discuter des Elana et des Roulian. Non, ah, je parlais pas de ça. Non, mais moi j'ai. L'alias c'est fait avec Hannibal. Ok, d'accord, ça marche. 30 pour les petites mains. Ok. Allez, moi j'ai te demandé ton avis sur les deux. Pour moi c'est ok. Les deux? Ouais. Donc une grosse partie du groupe dit que Roland ils l'ont pas vu beaucoup et qu'il va l'attendre. Ok. Nous, je sais pas, tu es en phase avec quoi? Moi je. Pour que ça va. Oula. Ah, c'est à nous ça. Bon. Mais bon. On fera les points. Après, ouais, voilà. À demain soir. Merci. Ça marche. Jade. Pas de soucis. J'ai des bisounours, c'est dit Hélène, tout le monde. Après, je dis pas, hein, il a totalement la mentalité, il est alerte. Ah oui, quand on avait besoin de lui, il a toujours été là, hein, toujours été très. Quand il y a le mec qui mangeait de sa mère qui est venu, il a tracé toute la soirée dans son coin pour essayer de le retrouver. Hein. Le truc, il est là aussi, on est dans une période où les gens ils ont besoin des pauses, ils ont besoin des vacances, ils ont besoin de s'aérer. Pour ça, je peux pas donner mon avis, j'ai pas été là pendant 15 jours donc. Je vais réfléchir. Mais surtout, il faut que tout le monde puisse se poser là. C'est important. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à Alan. Merci beaucoup. Normal, bonne nuit, Chris. Bonne nuit. Bonne nuit, boss. Moi, il faut juste que j'attende Alan. Tu vas te coucher aussi, chérie? Oui. J'aimerais te border. Le temps que tu arrives au lit, Alan sera arrivé, Raphaël est aller-retour. Si c'est pour l'Elias, on peut charger dans les bowlers. Hein. Les bowlers, ils ont. Soutien? Donc ça fait 1002 plus au poche. Bah allez. Et je vais appeler Alan. Attention, je me suis mis. Hop là. T'as combien chez toi? Les marches, t'as besoin d'aide. Non, c'est bon. Monsieur Miguel. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Ça va, boss? Allez. Nickel. Sûr, vous voulez pas un coup de main, boss? Non, c'est bon. Il faut que j'aille à la salle de bain. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road.
But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you're still can take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away. Away from me. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life. But now all of you see, there's so much room for me. And I know you think I still can take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away.